Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous sommes vraiment désolés du retard que nous accusons aujourd'hui dans la programmation qui a été prévue. Donc, il y a eu des impondérables. Donc, nous espérons que vous nous compreniez. Désolé, nous nous arrangerons pour que la prochaine fois, nous soyons à l'heure au rendez-vous. Ce que nous allons vous demander avant de commencer, c'est de bien vouloir partager le live pour que d'autres personnes puissent y participer. Et tandis que vous vous y mettez, nous en profitons pour vous dire que nous accueillons aujourd'hui d'excellentes invitées. Malheureusement, nous sommes minoritaires sur la table, donc nous ne pourrons pas, comme hommes, faire l'équilibre. Mais vous comprendrez, le Seigneur nous accompagnera. Avec Dieu, nous sommes majoritaires. Alors, sans aucune autre forme de procès, nous allons nous incliner pour la prière. Et pendant que vous allez vous y mettre avec nous, nous vous demandons de bien vouloir partager le live. C'est le grand service que vous pouvez nous rendre. Nous allons discuter justement de cette fameuse question. Maman, où est mon papa? Maman, où est mon papa? Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de bienfaisance, nous voici, Père Saint, réunis dans ces lieux. Chacun, Père Saint, avec un arrière-plan pour discuter d'un sujet qui nous importe comme communauté fraternelle, au Père, car souvent, ô Dieu, nous composons avec la monoparentalité et nous n'avons pas de solution toute faite, ô Dieu. Ce que nous souhaitons, c'est que tu nous permettes d'avancer, tu nous permettes d'avoir, Père Saint, les mots qu'il faut pour pouvoir adresser ce problème et justement envisager des pistes de solutions pour que notre communauté puisse se ressaisir. Nous te prions dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Maman, où est mon papa? C'est ce sujet qui sera à l'ordre du jour. Je vais demander à mes panélistes de bien vouloir se présenter. Nous allons commencer à notre droite et nous ferons une sorte de tour de table jusqu'à ce que ça ramène à moi encore votre serviteur, José Junior Clorméus. J'invite nos panélistes à se présenter. Bonjour, encore une fois, mon nom est Sabine. On s'est vu dans les deux derniers panels, débats. Je suis contente d'être parmi vous ce soir, premièrement à titre de maman monoparentale moi-même. Je suis contente de pouvoir partager avec vous encore un sujet, je crois, qui est très important. Je viens aussi à titre de présidente de la Maison de Déborah, un organisme qui vient en aide et en soutien aux jeunes mères monoparentales de 16 à 30 ans. Et aussi à titre d'employée, parce que je travaille aussi pour le ministère du Travail Solidarité Sociale. Donc, c'est une clientèle que je déserve. Et je suis contente d'être parmi vous ce soir pour pouvoir partager, outiller et de la meilleure manière que je peux le faire. Merci. Bonjour, je suis Lucinda Clorméus. En fait, je suis invitée en tant qu'une personne qui a entrepris des études en psychologie justement pour comprendre le comportement, pour pouvoir aussi répondre à certains pourquoi. Donc aujourd'hui, je suis là, c'est pour partager mon opinion, pour partager aussi mon expérience avec certains groupes et justement avec celle des jeunes femmes qui ont grandi sans père, des jeunes hommes qui ont grandi sans père. Donc je suis vraiment là pour donner mon opinion, pour parler de cette réalité qui malheureusement nous affecte beaucoup en tant que communauté. Bonsoir, c'est Fabienne Alec, travail social depuis de nombreuses années. Mais par contre, depuis un an et demi, je travaille au Centre jeunesse de Laval. Donc, je suis là à titre de travail social. Puis, en même temps aussi, je suis là à titre, étant donné, comme je dis, je suis à travail social, j'interviens aussi auprès de nombreuses familles, dont les familles monoparentales ou des familles divisées. Je vais pouvoir partager avec vous mon expérience de travail, ce que je fais avec ces familles-là, ces mamans qui sont monoparentales ou ces enfants qui sont comme brisés avec des parents qui sont séparés. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Alors, n'hésitez pas de partager vos questions et de nous appeler si jamais vous avez des questions. Bonjour tout le monde. Alors, moi, mon nom, c'est Irvens Charles. Donc, bonjour, pasteur. Bonjour, les autres panélistes. Donc, c'est un plaisir pour moi, c'est un privilège d'être entouré de toutes ces connaissances-là. Donc, je suis un disciple du savoir. Donc, je suis ici pour apprendre et puis pour partager aussi donc, mon opinion. Donc, merci. Bonjour à tous, je suis moi-même. Alors, pendant que nous allons débattre de la question, je vous invite à
À un certain moment, on va ouvrir la ligne. Vous pourrez appeler à 438-815-0173. Et le PIN number, c'est 287-0826. J'espère que Marc ou les Free pourra mettre pour nous ces numéros, les épingler pour que vous puissiez appeler en temps et lieu, parce que bientôt, la ligne sera ouverte, parce qu'on a des gens qui veulent vous entendre parler. Donc, participez avec nous, échangez avec nous. Et donc, surtout quand vous avez des points de vue contraires ou des commentaires pour nous challenger un peu. Donc, ce sera un plaisir parce que je sens qu'il y a du monde parmi nos panélistes qui vous attend sérieusement de pied ferme. Alors, comme nous sommes minoritaires aujourd'hui, j'invite les hommes aussi à intervenir sur ce sujet pour faire un peu l'équilibre, parce que j'ai entendu le pré-débat, j'ai senti que les femmes veulent s'attaquer aux hommes par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui se passe? Maman, où es-tu? Où est papa? C'est l'enfant qui demande où est son père. Je ne sais pas si vous voyez le paysage de nos églises. La monoparentalité, elle est très présente. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas ça comme un problème. Mais ça nous dit que la charge familiale, généralement, elle est sur la femme. Donc, avec tout le stress, avec tout le fait que ce n'est pas partagé. Donc, tout ça, c'est sur la femme. Donc, nous avons des femmes dans nos communautés culturelles qui subissent le poids de la parentalité. Pourquoi? Parce que quelque chose se passe, peut-être au niveau de la construction de la relation, peut-être au niveau de la société elle-même, comment nous autres hommes nous nous voyons, comment nous comprenons l'idée de famille. Peut-être aussi c'est un problème de femme. Est-ce que certaines femmes n'ont pas certains problèmes qui font en sorte que ça doit être comme ça? Nous ne pouvons pas. Alors nous émettons des hypothèses parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Alors j'ouvre le débat. Que se passe-t-il? Comment vous voyez ce sujet? Comment cela vous interpelle-t-il, chers panélistes? Ben, je peux partir, je peux commencer avec un peu mon point de vue, mon parcours. Je dirais, il y a plusieurs facteurs qui feraient qu'une femme se tomberait dans cette situation-là en tant que telle. Où est-ce qu'elle se retrouverait seule? Moi, je pense que, hormis les facteurs, il y a aussi, malheureusement, un manque d'accompagnement qui fait qu'elle ne s'en sort pas. Donc, la monoparentalité n'est pas juste un statut, mais ça devient quasiment un mode de vie, littéralement. Et ce mode de vie-là, il peut y avoir, je crois, qu'il peut y avoir un frein lorsqu'il y a tous les outils qui sont mis en place. Et comme on amène le débat au sein de l'Église, je pense que ce débat-là, en fin de compte, amène à mettre un haut-parleur, à donner une voix, justement, une porte d'entrée pour qu'il y ait des outils, justement, pour que ces femmes-là sortent de ce mode de vie-là. Parce que qu'on le veut ou non, être mère monoparentale, une fois qu'on arrive avec ce statut-là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? Puis je pense que c'est là qu'on doit amener ce sujet-là pour que justement que le pourcentage de mères monoparentales dans notre communauté puisse diminuer. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qui n'a pas été fait par le passé? Qu'est-ce qu'on peut corriger pour que justement on brise ces cycles-là? Good, good, good. Une autre intervention? Mais j'avance dans le même sens. J'ai remarqué que dans notre communauté, les familles monoparentales représentaient plus la norme. C'est comme les mamans, enfants, ça représentait, on a encore beaucoup plus dans les familles à l'église. Donc je me suis souvent posé la question, mais où sont passés ces hommes? Mais en même temps, je me suis rendu compte que les mères aussi pensent pouvoir remplir ce rôle. Donc elles ne cherchent pas forcément quelqu'un pour le faire. Donc, à sortir de la monoparentalité parce qu'elle remplit ce rôle. Mais ça ramène à cette fameuse question qui viendra, que tu remplisses le rôle ou pas, maman ou mon papa. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette situation et les gens et les mères, très souvent, ne savent pas vraiment comment répondre à cette question. Encore moins, comment pallier, comment se préparer à répondre à cette question. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est pertinent qu'on approche cette question, qu'on aborde cette question aujourd'hui. Donc, ça va permettre aux gens de savoir, OK, voilà ce que les enfants, voilà la question que les enfants peuvent poser, voilà comment on peut réagir et voilà aussi comment on peut se préparer à affronter la monoparentalité parce que parfois, elle n'est pas choisie. Alors, est-ce que la monoparentalité ne reflète pas une histoire de vie brisée?
En fait, oui, je dirais. Parce qu'en fin de compte, non seulement il y a un bris de confiance aussi, parce qu'on s'entend que quand, à la base, on retourne un peu sur les derniers débats, mais c'est sûr qu'il y a une relation à la base de cette grossesse-là. Et maintenant, il y a eu un bris qui fait que la mère se retrouve toute seule. Donc, moi, je pense qu'il faut s'attarder sur ce retour en arrière-là, sur ce brisement-là qui a eu lieu en tant que tel. Dans le même sens, je pourrais dire, à la base, il y avait quand même une relation, mais c'est vraiment la place du père. Puis le père, une fois que le papa sait que la femme tombe enceinte ou la femme atteint un enfant, c'est quelle place que lui veut prendre dans la vie de cet enfant-là. Donc, ce que je veux dire, le père peut être absent pour différentes raisons. C'est sûr que lorsqu'un père est en prison, c'est qu'il est en prison. Lorsqu'un père est décédé, il est décédé. Donc, mais un père absent, il y a quand même des conséquences quand même graves sur la vie de l'enfant. Puis il y a une différence quand même. Un père absent, ça peut s'expliquer de différentes façons. Ce que je veux dire par là, dans le sens qu'un papa peut être absent physiquement et non émotionnellement. Dans le sens que le père peut, par exemple, en Haïti, dans le contexte de l'immigration, mais même s'il est en Haïti, il pense à son enfant, il parle, il y a une relation quand même qui est encore présente. Le père, suite à une relation avec les parents, ils peuvent ne plus être ensemble, mais ils jouent quand même un rôle très présent dans la vie de son enfant. À ce moment-là, même s'il ne vit pas sur le même toit, même si, dans le sens que l'enfant, si l'enfant, par exemple, il fait une crise la nuit, il ne sera pas le premier à intervenir, mais il sera peut-être le deuxième à être à l'hôpital. Donc, il prend en considération que oui, je ne suis plus avec la maman, mais je suis encore le papa, puis je joue mon rôle. Puis jouer le rôle, ça veut dire quoi? C'est vraiment être présent dans la vie de son enfant à différents niveaux, pas seulement au niveau physiquement, mais c'est vraiment jouer le rôle, ça veut dire que ton enfant va bien à différents égards. Puis il y a aussi les papas qui laissent les mères, exemple, comme les mères monoparentales, souvent, qui laissent les mères avec l'enfant, autant physiquement et émotionnellement ou psychologiquement. À ce moment-là, les mères s'arrangent pour jouer ce rôle-là de façon très complète. Ils jouent autant le rôle de mère et de père. Donc, ces femmes-là, c'est souvent ça, souvent essayer de combler le rôle du père, mais malheureusement, une femme reste une femme. On ne va jamais jouer le rôle d'un homme parce qu'on n'est pas un homme. Malheureusement, de la société, lorsqu'on parle d'une femme est comme ça, est sensible, une femme est douce, une femme est patiente, tout ça. Parce que l'homme, lorsqu'on parle de l'homme, on voit plus quelqu'un qui est plus rough, quelqu'un qui est plus solide. Donc, un papa dans la vie d'un petit garçon, un papa dans la vie d'une petite fille, ne jouera pas le même rôle que si. Je vois pas le rôle d'une maman pourrait jamais jouer le rôle de ce papa-là. Donc, c'est important que le rôle du père, même lorsque le couple est brisé, c'est important que papa soit conscient que c'est le petit héros de son enfant, c'est le prince ou le roi de sa petite fille. Donc, à ce moment-là, une fois que son rôle est clair dans sa tête, je ne suis plus avec cette maman-là, mais je joue mon rôle, c'est beaucoup plus facile pour cet enfant-là. Il y a aussi les papas qui sont présent physiquement, mais émotionnellement ou psychologiquement, ils sont absents. Donc souvent dans notre communauté, on a souvent ce genre de pères-là. À la maison, ils sont là, mais ce qu'on appelle les bouquets de fleurs. Les décorations, les invitations, Donc, mais justement, c'est frustrant pour cet enfant-là parce que l'enfant voit ce père-là présent, il rentre à tous les jours à la maison, papa est là, mais papa est là juste physiquement. Donc ça crée beaucoup plus de problèmes à dimanche chez cet enfant-là parce qu'il dit mais pourquoi il est là, il met ça à quoi? Donc la frustration commence beaucoup plus jeune chez cet enfant-là parce qu'il dit il est là, il ne sert à rien, il ne joue pas avec moi, il ne m'écoute pas. Donc il y a comme un détachement. Donc le père, c'est comme un. Peut-être qu'il paye les factures, etc. Mais en tant que père, il ne joue pas le rôle du père. Donc très jeune ou très tôt, il y a un détachement qui se fait entre cet enfant-là et papa. Donc à ce moment-là, le détachement, ça amène quoi? Ça amène des sentiments de frustration sur l'enfant, en donné ça va être la peine, puis après ça va être la colère. Mais une fois que l'enfant arrive vers la colère, dans ce sentiment-là, ou plus seul, il n'y a plus de relation. Donc c'est comme si on est comme deux individus dans la maison, deux ennemis qui évoluent dans une maison. Donc c'est difficile de reprendre la relation si quelqu'un de l'extérieur n'intervient pas. Donc c'est tout ça que ça peut faire lorsque, à la base, un papa ne joue pas son rôle. Ça peut briser une vie, puis ça brise une vie vraiment. Mais je vois que la question est concentrée sur les hommes. On va faire l'équilibre, on va faire l'équilibre, je vous assure. Les hommes qui nous écoutent, ne soyez pas découragés. Il y a Paris Promise Mercier qui dit sur le groupe, sur le chat, sur le live là, la plupart des hommes sont des lâches et un homme de répondre, Mackenzie Fonrose. Bonsoir tout le monde, je ne suis pas d'accord que tous les hommes sont des lâches. Qu'est-ce que t'en dis, Maestro Yervens? Oh, c'est une bonne question.
j'apprécie la question parce que beaucoup de fois, on met le poids sur l'homme parce que l'homme est le pourvoyeur, l'homme, etc., à tout. L'homme. Amen, oui. Mais sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas tous les hommes qui sont des lâches. On exagère un peu trop. Moi, je pense qu'il y a certains hommes qui ont relâché, qui ont relâché prise et qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais il y a juste un danger dans la généralisation. Sauf que, dans un autre sens aussi, dans mon équipe de soccer, je connais des parents, des papas qui ont lâché. Donc, des papas qui sont là, ça fait comme un an, j'ai un exemple, c'est un jeune que ça fait un an qu'il habite dans la même maison que son père et il ne parle pas avec son père. Ils habitent dans la même maison. Donc, ça, j'ai ce témoignage-là, je le comprends. Sauf que, est-ce que c'est la faute de l'homme? Est-ce que c'est la faute de ce système-là qui est là? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on explore aussi la question de c'est quoi un homme. Puis, je ne pense pas que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses parce que, comment je peux dire ça? C'est parce que les hommes d'aujourd'hui, comment être un homme n'est plus enseigné. Puis, être un homme, ça s'apprend. Oui. Et il faut cette éducation-là. Ça veut dire que si un homme n'apprend pas à être un homme, ça va être difficile qu'il puisse reproduire quelque chose qu'il n'a pas. Donc, en tant que société, maintenant, il faut qu'on inclue ces hommes-là. Parce que je comprends qu'on écrase les hommes parce que oui, ils ont des problèmes et ils ne s'impliquent pas assez dans l'évolution de l'enfant. Mais je pense qu'il y a une éducation qu'on doit commencer à faire à ces hommes-là pour qu'ils savent quoi faire. Parce qu'une femme, très tôt, elle sait quoi faire. Elle sait c'est quoi être une femme et elle sait comment aller dans cette communauté, dans la société. Elle sait comment aller chercher des ressources et tout pour s'équiper pour être une femme. Tandis qu'un homme, c'est plus difficile. Donc, je comprends que les hommes, on a beaucoup de lacunes. Ça, je ne vais pas le cacher. Mais sauf que moi, je suis optimiste. Je pense et je crois qu'avec l'éducation, on peut renverser cette vapeur-là. Et puis, avec ce qu'on fait aujourd'hui, ça va aider les hommes à se développer et à comprendre le système et la situation. Et ça, je suis d'accord avec toi. Parce que dans le sens que moi, je crois fermement qu'on est du sexe masculin ou féminin, puis on devient une femme, puis on devient un homme. C'est ça. On devient un homme. Donc, d'où la raison qu'un papa qui est absent dans la vie d'un enfant ou dans la vie d'un petit garçon reproduit ce modèle-là. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas eu le modèle de papa. Je ne sais pas ce qu'est un homme, je ne sais pas ce qu'est un père. Donc, c'est facile pour moi, une fois que je rencontre une femme, comment être avec cette femme-là, comment interagir avec cette femme-là, comment être un homme envers cette femme-là, puis comment être un père pour mes enfants futurs. Donc là, déjà, c'est de génération en génération, déjà, si à la base, tu ne joues pas ce rôle-là, parce que comme tu dis, on ne l'apprend pas, on ne sait pas c'est quoi être un homme, on ne sait pas c'est quoi jouer nos rôles, on ne sait pas c'est quoi nos rôles aussi, être un homme, c'est quoi les rôles d'un homme, c'est quoi les besoins de mon enfant. Donc là, ça a juste des impacts, là, les conséquences qu'on risque de créer dans la vie d'un enfant. Puis les impacts, ça peut être quand même très fatal aussi. Moi, il y a une blague un peu là, c'est que, tu vois, l'ironie dans ça, c'est que, qu'est-ce qui m'a appris un homme? Un des éléments aussi qui m'a appris, c'est quoi être un homme? C'est une émission de télé, bien simple. Et c'est ironique, pourquoi je dis c'est ironique? C'est parce que ça s'appelle Cosby Show. Tu vois, donc Cosby, c'est plus sympa dans le Cosby Show. Mais tu vois comment une famille de Noirs, tu sais, quand j'étais plus jeune, tu vois comment une famille de Noirs peut fonctionner, peut exister, tu sais, comme ça. On n'a pas besoin d'avoir des fusils ou des choses, des bling-bling, des affaires comme ça. Et ça dépend comment on apprend ces choses-là, mais moi, quand je regardais ces émissions-là, ça donnait des indices, en plus de l'éducation que j'ai eue avec mes parents et tout, mais ça m'a donné des indices comment fonctionner en famille. Puis, je pense que c'est des choses que, un savoir-faire, que ce serait intéressant d'apprendre ça. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention avant les autres débats, ben, c'est un problème particulièrement grave dans nos communautés. Est-ce que, ben, y a ma Marie chérie qui dit, est-ce qu'il n'y a pas le facteur culturel? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est tellement grave. Moi, je me dis que d'ici 20 ans, nos églises auront, déjà nos églises ont plus de cas de monoparentalité que de cas de multiparentalité, de coparentalité si vous voulez. Je me demande d'ici 10 ans, 15 ans, si on n'arrive pas à toucher le problème de la monoparentalité, quelle génération qui va se mettre en place? Est-ce que dans notre culture,
Parce qu'avant de dire le problème de l'homme, disons, est-ce que nous ne dirons pas c'est le problème de l'homme haïtien, de l'homme africain, parce que nous connaissons, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu même un coup, les hommes ne se battent pas pour leurs enfants. On est venu même à ce point où l'enfant, c'est pas notre affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'à un moment donné, en tout cas, de la communauté haïtienne, même en Haïti ou la communauté en diaspora, il y a aussi une culture de la femme qui est potomitant, donc la femme qui est le pilier de la famille. Donc, le fait que la femme soit devenue pilier de la famille, il y a des responsabilités qui lui incombent naturellement. Du moins, qui sont venues naturellement, c'est elle qui les occupe, c'est elle qui s'en préoccupe. Et malheureusement, le cas des enfants qui sont faits par deux personnes, un père et une mère, sont devenus le problème de la mère ou le défi de la mère. Où la mère va tout faire pour que l'enfant réussisse. C'est comme les pères se détachent en voyant les mères remplir trop de rôles. Donc lorsque dans un couple, la mère remplit trop de rôles, ne laisse pas de l'espace au père, ben, ça fait que le père, à un moment donné, se détache complètement. Amen, oui. De toute façon. Amen, oui. Non, mais c'est vrai, mais en sachant que de toute façon, la mère va s'en occuper. Donc je trouve que c'est faire de la place, que ce soit pour le père ou la mère, chacun a son rôle à jouer et ça doit être défini. Ça doit être très bien défini parce que quand ce n'est pas défini, le père s'en détache. Et quand le père s'en détache, la mère n'a pas le choix de se préoccuper, la mère n'a pas le choix de remplir cette fonction parce qu'il y a un vide qui s'est créé. Et le fait que dans notre communauté, on voit souvent les mères comme des piliers, des femmes fortes, et elles le sont. Il faut bien l'admettre, elles le sont. Mais en même temps, ça laisse quelle place à l'homme? Parce que si la force de la femme est toujours mise, qui prédomine toujours dans les discours, même dans la fête des mères, regardez qu'est-ce qui se passe très souvent. Donc, lorsque ça prédomine trop, la femme est habituée à remplir tous les rôles. Et en les remplissant, des vides se créent parce que ce n'est pas sa responsabilité de le faire. Donc, je te rejoins, Yervin, quand tu dis qu'il faut toute une éducation là-dessus. Ben, l'éducation commence déjà par le fait que lorsque tu as un enfant, tu dois t'en préoccuper, tu ne dois pas laisser tout à la mère. L'enfant est le produit de deux parents. Si le père n'est pas là, comme tu l'as dit tantôt, un cas de décès, un cas de prison, etc., le père n'est pas là, mais là encore, il faut une figure paternelle. La mère ne peut pas occuper les deux rôles, puis penser s'en sortir. L'enfant va peut-être s'en sortir sur d'autres domaines, mais il y a d'autres vides qui se créent émotionnellement, relationnellement. Et je pense que le problème doit être posé. Est-ce que les mères donnent la place aux pères? Est-ce que les pères veulent occuper les pères veulent occuper cet espace, cette place qui leur est connue? Mais il y a le pasteur Beauville qui ajoute, maman ou mon papa, il ne prend pas ses responsabilités. On lui définit ses responsabilités, ça lui pousse à être absent au fil du temps. La société québécoise ne l'a-t-il pas tué? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, c'est une chose de parler, de poser le problème de la paternité, mais dans le contexte québécois, pour nous autres communautés culturelles, il y a une façon pour nous de rentrer. Est-ce que ce n'est pas le problème de la famille qui se pose d'abord? C'est-à-dire le problème du vivre ensemble, du vivre en couple. On dirait que certains hommes ne sont pas prêts. Et automatiquement, ça va déboucher sur un autre problème, le problème de la coparentalité. Est-ce que si nous réussissons à obtenir que les gens apprennent à vivre ensemble, on ne pourrait pas réduire ces cas de monoparentalité? Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut mettre le côté, qu'il y a le côté contexte québécois. Je pense que c'est de ramener en fait comment la famille gère ces situations-là, tout simplement. Parce qu'à la fin de la journée, effectivement, il y a le terme de coparentalité qu'on ne pense pas. C'est que du moment que le père n'est pas là, on n'encourage pas, c'est fini, oh, il n'est pas bon. Et puis c'est fini, il y a une séparation qui est faite. Au lieu d'encourager la coparentalité, parce que être monoparental ne veut pas. Le contraire de monoparental ne veut pas seulement dire je suis mariée avec toi là. C'est le fait d'avoir en fait une figure parentale de deux sens, un père et une mère qui prennent en charge l'enfant autant au niveau monétaire, aussi émotionnel. Donc souvent il y a une coupure qui est faite, même s'il y a pas le couple n'existe pas, bien une coupure qui est faite et il y a aucun encouragement au niveau de la coparentalité parce que c'est fini, ça marche pas. S'il y a pas de mariage, si on retourne un petit peu dans le dernier panel, s'il y a pas de mariage, mais c'est fini, il y a une dispute, il y a un bris qui est fait, on va rien encourager.
Et là, ça fait plusieurs cas comme ça de monoparentalité, mais je ne pense pas que c'est nécessairement à cause de la société québécoise. Il y a un travail qui n'est pas fait aussi au sein de nos communautés, qu'on le veuille ou non. Et puis, on peut retourner aussi la façon que, au niveau éducationnel, quelle éducation l'enfant a eu, quelle éducation le papa a eu chez lui, quelle éducation la mère a eu de son côté à elle. Est-ce qu'elle est faite pour faire tout dans la maison? Est-ce qu'il y a une relation qui est faite en sorte que cet enfant-là va grandir avec une figure paternelle ou quelle figure paternelle que la mère ou le père avait aussi? Donc, il y a beaucoup de choses qui se posent, mais je ne pense pas qu'on peut mettre ça sur le fait au niveau société québécoise. Oui, la monoparentalité, je crois que c'est un problème sociétal aussi. Parce que ce n'est pas juste dans notre communauté, ce n'est pas juste à l'église, on le voit à l'extérieur. Il y a même des programmes spéciaux juste pour les mères monoparentales, tellement qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que nous, on peut faire de différent pour ne pas ressembler nécessairement à faire différent de la société, quoi. Donc, à la fin de la journée, je pense qu'il faudrait se différencier justement en encourageant l'unité. Puis ça, on ne l'a pas. Culturellement parlant, on a un petit peu de misère à avoir des dialogues, à avoir des conversations, à communiquer. Donc déjà, à la base, il y a quelque chose qui n'est pas fait, il y a quelque chose qui n'est pas là. Voilà. Mais il y a des femmes aussi, j'entends dire, qui veulent juste avoir un enfant. Oui. Il faut prendre ça aussi en considération. Et ça, c'est un facteur sociétal. Autrefois, on avait moins cette catégorie de femmes. Il y a des femmes qui ne veulent pas vivre ensemble. Le vivre ensemble ne participe pas dans leur vision des choses, de la mentalité. Elles veulent juste avoir des enfants. Nous savons que dans le monde non chrétien, il y a même ce qu'on appelle des banques de sperme. Donc, autrement dit, on cherche des géniteurs et non des pères. Donc, le discours a changé. Et quand on parle du contexte québécois, ben maintenant, un père, une mère, d'ailleurs, moi au niveau de l'acte de naissance, je ne suis pas présent comme père, là. Je suis l'autre parent. Et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous disent que la famille, comme nous la connaissions avant, disparaît. Il y a d'autres choses qui se mettent en place dans cette communauté. Mais maintenant, nous autres communautés culturelles, nous sommes fragilisés, comme disait Sabine. Il n'y a pas d'éducation sur le sujet. Mais je pense que peut-être à l'amont, devrions-nous aborder le problème en disant, lorsque vous voulez vivre ensemble, il devrait y avoir des cours sur la parentalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est pas vrai que du jour au lendemain, la personne débarque dans un couple, il y a un enfant, puis automatiquement, il sait comment être parent, c'est comme si c'était un instinct. Pour d'autres, c'est facile. Moi-même, la première couche, j'ai trouvé que ce n'était pas converti. Donc, je pense qu'il y avait ces mois comme moi, là. Ensuite, les autres couches, on s'est habitué. Mais maintenant, il y a des gens qui sont plus prédisposés à vivre la parentalité, mais il y a des gens qui sont moins disposés à vivre la parentalité. C'est comme les couples. Il y a des gens qui peuvent vivre en couple éternellement. Mais un enfant vient, c'est compliqué. Il y a d'autres types de personnes, de profils. Donc, on a des profils variés. Mais ce qu'on sait, c'est que la tendance aujourd'hui dans nos communautés, et on voudrait arrêter ça, on n'a pas encore discuté sur l'impact sur les enfants. Hein? L'impact sur les enfants, donc cette mouture, on va l'aborder dans le débat bientôt. Mais on pourrait se demander, c'est quoi les pistes de solution? On en a parlé plus ou moins chacun d'entre nous. J'aimerais rapidement on a parlé des modules, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient savoir c'est quoi les pistes de solution, des modules de formation et avant le mariage, bien entendu, pour leur préparer à la parentalité. Est-ce que vous voyez d'autres solutions encore qu'on pourrait envisager, explorer pour pouvoir changer la donne? Moi, la solution que je vois, c'est surtout le fait que d'apprendre aux gens que lorsque tu es en couple, les responsabilités évoluent à un moment donné. À un moment donné, tu as des responsabilités envers l'autre personne. Mais immédiatement qu'il y a un enfant, peu importe si ta relation avec l'autre personne se termine, ta relation avec l'enfant continue jusqu'à la fin de sa vie. Genre, c'est vraiment une responsabilité que tu prends, je ne dis pas éternellement, mais jusqu'à ta mort. Donc, très souvent, lors des ruptures, on voit des pères se dissocier de la femme et de l'enfant. Ce qui est à. C'est ça qui crée des graves problèmes c'est ça qui crée les problèmes économiques de la monoparentalité. Des pères qui se dissocient autant de la femme que de l'enfant. Mais l'enfant n'a pas choisi de,
de naître dans ce couple. L'enfant n'a rien à voir par rapport au fait que tu n'as pas pu sauver ton couple. Autrement dit, est-ce qu'on ne devrait pas maintenant, quand les gens, parce que l'Église n'est pas habituée avec le discours de la séparation, alors que c'est monnaie courante, maintenant, est-ce que quand les gens se séparent, on devrait leur dire, bon, on comprend vos chicanes. Si l'Église voit qu'elle ne peut pas empêcher la séparation, est-ce que l'Église ne devrait pas venir plaider pour l'intérêt des enfants? C'est-à-dire, comment vous envisagez occuper les enfants? Comment vous envisagez être présent dans la vie des enfants de manière conjointe? Ou bien même si vous êtes axé, est-ce que l'Église devrait avoir un rôle plus ou moins dans cet aspect? Ben moi, je pourrais parler pour moi. Comme je dis, je travaille au centre de jeunesse, je travaille à la DPJ. Donc, ce genre de situation-là, on les vit quand même assez souvent. Dans le sens que lorsqu'il y a une séparation, comme tu disais tantôt, souvent le papa va disparaître dans le décor. Mais parfois aussi, c'est la mère aussi qui prend tout en charge, qui... T'es plus dans ma vie, donc c'est mon enfant, je m'en occupe. Donc, qu'est-ce que ça fait? Elle crée une coupure entre... C'est comme si la relation entre elle et le mari ou le conjoint ou l'homme n'a pas fonctionné. Automatiquement, elle s'est dit la relation entre le père et l'enfant ne va pas fonctionner. Alors, c'est deux choses complètement différentes. Pas parce que ma relation n'a pas fonctionné avec le mari ou l'homme. Cela voudrait dire pour autant que la relation ne va pas fonctionner avec mon enfant. Donc là, le père ou ce monsieur-là reste quand même le père de mon enfant. Donc là, nous, lorsque ça arrive, souvent, on essaie de tout faire pour garder quand même la relation entre l'enfant et le papa. Parce que lorsque le papa veut s'impliquer, souvent, la maman met une barrière aussi, une vraie barrière, dans le sens que c'est mon enfant, tu m'as quitté, je vais te montrer que je suis capable, je vais réussir, tu vas avoir 10 ans, 20 ans, elle va devenir l'homme, la femme, mais... Écoute, c'est nous, là, le chicane se passe entre vous deux. Donc, à ce moment-là, pourquoi imposer ça à l'enfant? L'enfant n'a rien demandé. Là, tu l'imposes quelque chose que il n'y a pas de chicane entre papa et l'enfant. Donc, là, à ce moment-là, c'est de là qu'on va parler de l'aliénation parentale. C'est, maman va tout faire pour que l'enfant déteste à son tour le père. Mm-hmm. Donc, l'enfant maman va dénigrer le père. Elle va tout faire, maman, lorsque la mère va projeter une image très négative du père. Donc, à ce moment-là, l'enfant va voir le papa très négatif. C'est sûr que là, il va dans la maison, lorsqu'il va arriver quelque chose, il va dire, regarde, je suis seule, hein? Regarde, t'es malade, qui est là? C'est moi, regarde. Hein? Donc là, c'est toujours en faveur d'elle. Donc l'enfant qui voit ça aussi, c'est vrai, maman est tout seule, c'est toujours en faveur d'elle. L'autre côté, ton papa ici est ça. Elle finira par mettre dans sa tête, c'est vrai, ce que maman dit est vrai. Donc là, l'enfant finit par détester son père. Donc la relation devient difficile à ce moment-là. D'où la raison, nous, lorsqu'on intervient, ce qu'on fait, on va faire des visites supervisées, des grandes supervisées. Donc cet enfant-là, on va mettre des valises. Donc, avec la mère, si jamais la mère devient très difficile pour que papa voie l'enfant, on va devoir aller devant un juge, devant le tribunal, parce qu'on veut quand même donner l'accès au père. Donc, le père, pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si la relation entre les parents ne fonctionne pas, mais la relation entre papa et les enfants, ça fonctionne, on veut ça fonctionne. On veut au moins minimalement garder un minimum de contact. On veut que ce papa-là continue à intégrer, à s'interagir, à vivre dans la vie de ces enfants-là. Donc, s'il faut qu'on supervise les contacts, on va superviser. S'il faut qu'on accorde des heures au père. Donc, on va tout faire pour que papa reste dans le décor. Bien sûr, arrivé là, on va quand même, quand je dis, lorsqu'on supervise, si on trouve que papa est inadéquat ou n'arrive pas à jouer son rôle, parfois l'enfant, il peut avoir une coupure. Mais on va quand même tout faire pour s'assurer au moins qu'il y ait un minimum de contact, où le contact entre papa et les enfants reste. Mais j'ai déjà entendu des gens, des mères parler du père. Reste papa. Tu vois, même le discours dans la famille, reste papa, ça veut dire quoi? L'enfant fait quelque chose de mauvais. C'est race papale. Mais que dis-tu au père? Hein? Est-ce que c'est comme même des expressions, c'est comme même quand il n'y a pas guerre, parce que tu parles du contexte de guerre, mais la relation normale, est-ce qu'elle n'a pas tendance à exclure le père? Pourquoi le père est-il important dans un foyer aujourd'hui? Mais aussi, pasteur, je veux ajouter un petit point pour faire un peu de pouce à ce que Fabienne a dit. Parce qu'elle parle en mode intervention dans un centre et c'est excellent parce qu'il en faut. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que ça vient un peu contrefaire quelque chose qu'à l'Église qu'ils ne font pas. Parce que si on retourne, c'est parce que la question était posée aussi dans le cadre de l'Église. Puis ce que moi je n'ai jamais vu en fait, c'est que lorsque la mère tombe enceinte, parce que quand on parle de monoparentalité, c'est parce qu'elle n'est pas mariée. Donc dans le contexte qu'il n'y a pas eu de mariage,
mais il n'y a pas de suivi qui est fait. Il y a pas de, il y a souvent justement cette rupture-là au niveau, quand on avait parlé la semaine passée, il y a des chicanes entre les familles. Donc, il n'y a même pas d'encouragement, en fait, pour apporter ce que le CNSC ou le centre va apporter, justement, qui est bon parce qu'elle fait une intervention pour qu'il y ait une relation, parce que l'enfant n'a pas de problème avec son père. L'enfant n'a pas de relation, comme si pour dire, oh mon père, si. Des fois, l'enfant est tout bébé, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Donc, là, qu'est-ce qui arrive, c'est que malheureusement, l'Église va le permettre, va le juste laisser faire, va le juste laisser aller, puis ça tombe que la jeune femme tombe monoparentale, point. Maintenant, il n'y a pas de je m'assois avec. Entre parenthèses, mon pasteur, mon leader, pour savoir comment ça va, comment tu vas, il est où son père, est-ce que tu veux qu'on s'assoie ensemble avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager justement cette relation-là avec l'enfant, parce qu'à la fin de la journée, comme elle a dit tantôt, l'enfant n'a rien demandé. L'enfant n'a pas dit « mais je vais sur la terre ». Donc maintenant, c'est comment on peut favoriser cette relation-là pour justement couper ce cycle ou ce regroupement d'enfants qui n'ont pas de père ou qui demandent tous à leur mère pas maman ou mon papa. Mais moi, je poserais une question en ce sens. Est-ce que un homme qui est venu briser la vie d'une femme, voyez, est-ce que vous l'encouragerez à être père de l'enfant qui vient de naître? Est-ce que vous courez le risque, parce que c'est un vrai enjeu. Vous voyez, si la personne demande de l'irresponsabilité dans la vie de l'autre au point, tu es rentré, tu sais que tu ne devais pas rentrer, tu sais que tu n'aimais pas la personne, tu ne voulais pas de la personne, et puis tu l'as flanqué un enfant. Et puis pendant que l'autre t'aimait, pendant que l'autre te chérissait, et puis maintenant là, tu t'arranges pour devenir père. C'est quoi ton but? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est acceptable, ou bien il y a lieu de prendre du recul? Moi, je trouve qu'il y a lieu de prendre du recul. Mais en même temps, on en revient à quel est l'intérêt de l'enfant. Parce que très souvent, il y a des hommes qui sont de très mauvais partenaires de vie, de très mauvais conjoints, mais par exemple, qui peuvent s'investir dans la vie de l'enfant. Je trouve que ne pas essayer du tout, parce que en fait, la vie est un risque. Être déjà en couple, tu as déjà pris un risque, un grand risque. Avoir un enfant avec la personne, c'est un autre risque. Mais là, maintenant, tu prends le risque que l'enfant grandisse sans père. Donc, je trouve qu'il faut peut-être rechercher l'implication paternelle, laisser au père le temps de dire non, je ne veux pas. Et il y a même des actes juridiques où il peut dire, ok, je ne veux pas remplir le rôle de père. C'est le mettre en face de sa responsabilité. Non, mais dire que, ok, puisqu'il m'a fait ça, il n'a plus le droit, il n'a plus, je ne lui fais pas plus confiance pour qu'il intervienne dans la vie de mon enfant. Je trouve que ça relève de la mère, de l'égoïsme de la mère, de l'opinion de la mère. Mais est-ce que c'est pas une opinion qui doit être, qui doit être discutée? Oui, c'est une opinion qui doit être discutée parce que un mauvais partenaire n'est pas forcément un mauvais père. Mais alors, pour juste faire la pousse à ce que tu dis, exemple, lorsque l'enfant naît, si dans l'acte de naissance, le père c'est écrit inconnu, c'est plus facile pour la mère de faire ce qu'elle veut. C'est écrit inconnu. Mais du moment que le père est déclaré sous la société québécoise, on devient, c'est un petit peu plus difficile. C'est ce que je veux dire par exemple. Un papa qui est déclaré dans l'acte de naissance, même si vous êtes séparé, même si ça fait 10 ans, 15 ans, nombre d'années, ok, et que tu vas aller voir, tu voyages, ça prend l'autorisation du père, même si tu es au bout du monde. Donc là, tu imagines cet enfant-là qui n'a jamais connu son père. Mais il porte le nom de ce monsieur-là. Là, pour voyager, ça prend son autorisation. Pour exemple, avoir un suivi psychologique, tu sais, il y a des besoins, des affaires au niveau des soins de la santé. Du moment qu'on sait que vous êtes séparés, ça prend l'autorisation du père. Donc là, il faut trouver ce père-là quelque part. Donc là, c'est sûr qu'au début, lorsque le père n'est pas déclaré, c'est vraiment inconnu, c'est plus facile de dire. Mais si vous prenez les risques, donc là, il y a quand même le nom du petit enfant-là, porte le nom de ce monsieur-là, et en même temps, vous l'enlevez. Dans sa vie, sous prétexte qu'il ne sera pas un bon père sans même essayer. Là. On essaye d'abord, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais on sait qu'on a quand même essayé. Donc là, à ce moment-là, c'est comme si vous prenez quand même ce risque-là, puis les conséquences qui viennent avec, comme j'ai dit, tous les soins, soins psychologiques, le passeport, pour un voyage, ça prend l'autorisation de l'autre partie. Donc là, c'est comme si on devient dépendant quand même de ce monsieur-là, qu'il en paye ou pas. J'aurais une question à vous poser, mesdames, parce que vous, dans le cadre de votre travail, vous avez plus d'expérience avec ça, mais la question, c'est quoi? C'est combien de fois que, dans le cadre de votre travail, une femme ou une mère dit non à son mari et que le mari fait des efforts pour revenir dans la vie de l'enfant? Est-ce que c'est monnaie courante ou est-ce que c'est quelque chose de rare? Je veux juste savoir.
personnellement. Je ne sais pas si vous voyez la question un peu. Oui. Okay. Oui, c'est comme si maman ne veut pas, mais monsieur papa essaye. Exactement. Exactement. Mais moi, écoute, j'en ai un clairement. Donc, l'enfant, à chaque fois, écoute, c'est un de mes dossiers. Papa veut. Tu sais, quand tu parles, il dit, moi, c'est moi le père, je veux. Maman dit, non, moi, depuis la journée qu'on, que la relation s'est terminée, puis c'est fini. C'est quel mot que tu n'as pas compris? Donc, c'est ça. Puis la petite fille, présentement, écoute, elle a 18 ans. Donc, le fait, comme je disais tantôt, la mère a tellement dénigré le père. Donc, pour elle, papa est juste méchant. Et elle a que des images négatives de son père. Donc, peu importe les efforts que papa a tenté dans le passé, ça n'a rien porté comme fruit parce que pour elle, papa est négatif. Donc, je sais qu'à un moment donné, papa débarque à son école, à son issue. Donc, elle n'a pas aimé. Donc, ça fait juste dire, regarde, maman me l'avait dit, regarde qu'est-ce qu'il a fait. Donc, oublie ça, là. C'est une relation malgré lorsque tu entends parler de papa. Mais c'est ma fille, je veux, dis-moi combien je dois dépenser, qu'est-ce que je dois faire. Mais oublie ça, ça ne va jamais fonctionner parce que la mère a tellement bloqué. Puis, à un moment donné, que l'enfant est tellement dans le négatif que cette relation-là n'a jamais fonctionné. Mais on voit tellement de modèles monoparentaux où les enfants réussissent. C'est ça. C'est parce que très souvent, les mères disent, OK, moi, je peux m'occuper de mon enfant, je peux m'occuper de son succès, de sa réussite, en faire un homme, en faire une femme, en faire un bon citoyen. Mais on voit tellement de ces modèles que les femmes pensent que, OK, je peux relever ce défi toute seule. Je peux relever ce défi. Donc, même si je dénigre le père, en oubliant que le père fait partie de l'enfant. L'enfant est le produit de deux gamètes, un mâle, une mâle, une femelle. Donc très souvent, les mères ont ce discours de toute puissance dans la vie de l'enfant. Et je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser. Mm-hmm. Où est la place du père? Et à toutes les situations, c'est comme dès la conception jusqu'au développement optimal de l'enfant, où est la place du père? Laisse la place au père. Mais maintenant, il y a le facteur sociétal sur lequel nous devons revenir. Parce qu'on vit à faire remarquer, il y a l'aspect économique et juridique qui vient jouer dans la balance. L'allocation familiale va directement à la mère. Un père qui se divorce d'une femme dont il a 4 enfants avec elle, sa vie est ruinée après le divorce avec ce qu'on appelle la fameuse pension alimentaire. J'ai vu un père supplier une femme pour lui dire « Ne me donne pas la pension alimentaire, je t'en supplie, je ferai tout ce que tu veux. » Ça, on ne me raconte pas ça. La femme dit, tu as choisi de me faire du tort, tu vas payer ça. C'est pas, non, ce sera bien, c'est pour ton enfant. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est au prorata aussi, des revenus de chacun des couples. Donc, mais il y a des hommes qui estiment qu'ils pourraient rouler une nouvelle voiture si jamais il n'y avait pas ce contexte de pension alimentaire. C'est comme le contexte en sorte que les hommes sont généralement perdants, puisque par défaut, à moins qu'il y ait un problème majeur, c'est à la femme qu'on accorde cette possibilité de garder l'enfant. Ben, il y a des contextes de garde partagée aussi. Mais maintenant, comment parler à ces hommes qui reçoivent une pension alimentaire pour leur dire, c'est quand même ton enfant, tu ne peux pas le laisser tomber. C'est pas une pension alimentaire qui fait en sorte que tu t'enlèves dans la parentalité, tu te dis, ben, tu punis l'enfant, je connais quelqu'un qui, automatiquement, qui a reçu la pension alimentaire jusqu'à 21 ans de l'enfant, je me rappelle, et il a bu une champagne pour dire, oh merci Seigneur, il n'a jamais parlé à cet enfant. C'est comment dirais-je? Le rapport, quand nous parlons du contextuel, notre rapport au droit comme communauté culturelle aussi, pour nous autres, c'est une punition ou bien une formule qui nous dit « pousse-toi ». Alors que la société agit, pourquoi? Pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un nouvel enseignement sur ces paramètres pour dire que le juge, lorsqu'il prend la décision de te donner une pension, ne veut pas finir avec toi. Au contraire, il essaie de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est pour cela qu'il est en train d'intervenir parce qu'il ne sait pas si tu vas vouloir aider, comment tu vas faire, etc. Donc, c'est important pour lui d'intervenir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à se faire à ce niveau? Des pères qui ne s'impliquent pas parce que ça a été fait à un moment, la pension alimentaire a été intégrée à un moment donné dans la législation, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, et c'est pas juste un juge qui s'est réveillé un matin qui dit bon ok, on va instaurer la pension alimentaire.
Non, il y a eu des problèmes. Et pour pallier à ce problème, économique surtout, ils ont instauré la pension alimentaire. Mais en même temps, on en revient à l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'un enfant peut être un instrument de vengeance? Oui. Parce que l'enfant devient un instrument de vengeance. Le père dit, ok, on n'est plus ensemble, je ne vais pas m'occuper de l'enfant. La mère dit, on n'est plus ensemble, tu ne vas pas voir ton enfant. Donc l'enfant devient un instrument de vengeance. C'est comme les parents laissent les tribunaux s'occuper de l'intérêt de l'enfant, alors que ce sont eux qui devraient s'en soucier. Oui, et voilà le danger en fait. C'est qui se soucie de l'intérêt de l'enfant? C'est pour ça que les tribunaux doivent absolument s'occuper de ce problème, parce que les parents s'amusent ils se lancent la balle. Justement, ils se lancent la balle à se chicaner entre eux, à régler leurs propres problèmes personnels, en sachant qu'il y a un petit être qui n'a rien demandé. Mais il y a quelqu'un qui dit, c'est Valérie Perceval, l'homme n'a pas brisé la vie de la femme, il n'a pas forcé la relation sexuelle, la femme ne s'est pas protégée et est devenue enceinte. Ils étaient tous les deux à l'origine du bébé. Ils ne veulent pas tout mettre sur le dos de l'homme. Les deux ont foiré. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais Josué sur ce panel ou mes tests pour avoir leur réaction. Monsieur, si vous m'écoutez, vous me manquez là où vous êtes. Mais c'est parce que moi, on vit dans une société quand même que la femme est indépendante. Okay? Elle a une indépendance et même lorsqu'elle a l'enfant, c'est son pro choix. Tout est le choix, tout relève de la femme. Et d'un autre côté, maintenant, culturellement, on a des hommes qui veut tout remettre à la femme. Tu vois, la charge d'élever l'enfant est sur la femme. Tu sais, on a comme une sorte de culture qui va dans ce sens-là. Donc là, maintenant, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si on est en train de renverser la vapeur. Parce qu'on est en train de dire à l'homme de prendre cette charge mentale et de l'assumer aussi. Parce que maintenant, c'est ça qui est en train d'arriver. Là. C'est parce que c'est, le fait que l'homme relâche, c'est aussi un peu... Je ne vais pas le dire, mais c'est un peu dans une culture. C'est comme dans une culture parce que la responsabilité est mise sur la femme. Et dans cette société qu'on vit au Québec, la femme est indépendante. Donc, elle n'aurait pas besoin d'un homme pour survivre. Donc, c'est pour ça que même, tu vois, même le contexte de donner de l'argent, tout ça à la femme et tout, c'était pour protéger la femme dans le passé. Mais maintenant, la femme est égalité avec l'homme. Donc, il y a des choses, même la législation, on devrait même revoir cette législation-là. Et puis aussi, culturellement, on devrait commencer à en parler pour justement changer, renverser cette vapeur-là, pour responsabiliser les hommes et permettre à l'homme d'accepter cette charge. Parce que moi, j'ai comme l'impression que les hommes, on n'accepte pas cette charge-là. C'est pas... Une des raisons, c'est que la femme ne le donne pas, mais on ne se bat même pas aussi pour l'avoir. C'est rare qu'un homme se bat pour ça. Puis je pense qu'il y a un réveil qui doit arriver dans la mentalité humaine, dans notre mentalité d'homme, d'aller reprendre notre place et de demander d'être dans la vie de cet enfant-là. Parce que la communauté, parce que la société va pas nous donner. La société est là, elle est ouverte. Mais sauf que nous, on ne fait pas ce pas-là. Moi, je pense qu'il y a une opportunité d'aller et de demander d'être dans la vie de cet enfant, même si on n'est pas responsable. Parce que des fois, même, on se juge qu'on n'est pas responsable, mais on ne le sait pas a priori. C'est juste parce qu'on n'a pas l'expérience avec les enfants. Mais je pense qu'un homme, même si l'homme n'est pas, entre guillemets, pas sérieux, mais il faut qu'il soit dans la vie de cet enfant-là. Il faut que l'enfant voit l'homme pour qui il est. Et parce qu'il y a des questions que cet enfant-là va avoir, et la personne pour donner la réponse, c'est ce géniteur-là. Et c'est ce géniteur-là que, à travers ses faiblesses, va donner des réponses à cet enfant-là, qui va permettre à cet enfant-là de traverser les gouffres qu'ils vont rencontrer. Alors, c'est compliqué. Maintenant, venons-en à cet aspect que nous n'avons pas vraiment souligné sur la table. Parlons de l'enfant lui-même. Les conséquences sur lui de la monoparentalité. Quand il n'y a pas une figure paternelle qui fait l'équilibre dans la maison, son développement socio-affectif, comment ça va se faire? Donc, j'estime qu'on n'a pas encore adressé cette préoccupation. Moi-même, je me rappelle, mon père donnait leçon à quelqu'un, et puis dans la famille de cette personne, qu'est-ce qui se passait? Le gars arrivait à... le gars était proche des quarantaines, là. Et puis, il a pris une arme. Il a dit à papa, tu vas me dire, mais cette fois-ci, il demandait pour sa mère. Je veux savoir qui est ma mère. Et tu vas me le dire. Ça se passait à New York.
Et puis le père était tellement surpris parce que c'est un garçon encadré, mais lui-même, il sentait qu'il avait un vide. Ça veut dire que de part et d'autre, parce qu'il y a aussi, on n'a pas parlé des hommes monoparentaux. Donc, c'est de part et d'autre. Être élevé sans mère, c'est un problème. Être élevé sans père, c'est aussi un autre problème. Nous ne pouvons pas, comment ça se passe pour les enfants? Moi-même, personnellement, j'ai été au courant de cela. Il y avait une enquête que de mes collègues pour sa maîtrise devait remettre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu à l'église pour me demander de lui présenter des enfants issus de familles monoparentales. Aucun de l'église n'a voulu se prêter à l'exercice. Et il me disait qu'il s'arrangerait pour venir avec des psys au cas où l'un d'eux commence à pleurer. Parce qu'il était prévu au cours de l'entrevue que quelqu'un pourrait fondre en larmes. Parce qu'il y a des séquelles dont les gens ne parlent pas. C'est-à-dire, nous pouvons avoir nos enfants à l'église correctement, et puis ces enfants vivent un problème parce qu'ils voient d'autres avec leur père, leur mère, mais ils se demandent, mais pourquoi moi, c'est pas comme ça? Parce que l'enfant procède par imitation. Est-ce que vous prenez la mesure ici de ce problème, des séquelles? Est-ce que vous en avez entendu? Est-ce que vous voulez en partager avec nous? On a des gens sur la ligne aussi qui ont vécu ça, donc qui ont vécu tout seul. Est-ce que ça a des impacts sur eux qu'ils aimeraient partager avec nous? Moi, j'ai déjà animé un focus group où c'était une dizaine de jeunes filles et il y avait beaucoup de questions, mais la question sur laquelle on a passé plus de temps et qui a créé beaucoup plus d'intensité émotionnelle, c'était le fait d'avoir grandi sans père. Et grandir sans père, c'est le fait que le père soit absent physiquement ou présent physiquement, mais non impliqué. Et les filles, les jeunes femmes, c'était même pas des. Il y en avait qui étaient déjà dans la vingtaine et plus. Les jeunes femmes pleuraient et pensaient surtout que le fait qu'elles aient des problèmes relationnels relevait beaucoup de l'absence du père. Et qui reconnaissaient que dans un partenaire, dans un copain, dans un chum, elles recherchaient un père. Et il ne faut pas. Et autant que la mère, le vide, l'absence laissée par la mère peut avoir des impacts, autant que l'absence du père peut avoir des impacts. Donc, il est important que l'enfant ait une figure maternelle et une figure paternelle et que l'enfant s'approprie son histoire aussi. Parce que c'est difficile pour la mère de dire à l'enfant, d'expliquer à l'enfant qu'est-ce qui s'est passé. J'ai fait une erreur de jeunesse, j'ai fait un mauvais choix, ou voilà qu'est-ce qui est arrivé avec ton père. Et lui, il a fait un mauvais choix, il est parti, il nous a laissé. C'est difficile de tenir ce genre de discours. C'est difficile d'assumer que, oui, il y a des pans de mon passé que je n'aime pas partager, mais c'est aussi ton passé et que je dois te les restituer pour en faire une personne complète, pour combler ce vide chez toi. Donc je pense que c'est tout aussi important. Moi, j'ai vu des pleurs, j'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des jeunes hommes s'écrouler quand ils parlaient de l'absence d'un parent. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel on peut passer et fermer les yeux. Peu importe que la personne paraisse combler la réussite sur plusieurs points de vue, mais il y a quelque chose en dessous. Si on gratte un peu, on va le voir. Et très souvent, lors des entretiens psychologiques, pourquoi d'après vous on en retourne au père? Pourquoi on en retourne à l'enfance? Pourquoi on en retourne à la relation aux parents? C'est parce que c'est très important. C'est l'un des pans du développement de l'enfant qui est extrêmement important. On les appelle les autrui significatifs. C'est extrêmement important pour un enfant de grandir avec des figures paternelles, des figures parentales qui font du sens, responsables. Moi, je pense aussi que l'aspect psychologique de l'enfant est souvent sous-estimé dans ce genre de contexte-là. Parce que l'enfant qui grandit sans père, c'est aussi, c'est une instabilité qui est là. C'est un enfant qui va à la garderie, que tout le monde dessine une famille complète, puis l'enfant dessine genre juste une mère. Ouais. Bon, c'est, comme moi je parle personnellement, je peux vous faire un petit témoignage. Ma fille avait dessiné tous les cousins et cousines en fait, parce que, tu sais. Donc, tu sais, c'est ne pas être comme les autres,
c'est grandir avec ce manquement-là. Mais la chose qu'on ne sait pas aussi, c'est que l'enfant aussi, c'est son, il a son propre cerveau, hein. Il a sa propre façon de penser, il a son propre développement. Puis il y a des affaires que l'enfant ne va pas nécessairement te dire, mais tu vas le voir dans le comportement, tu vas le voir dans sa façon de réagir, tu vas le voir dans sa façon d'interagir avec les autres aussi. Donc, ça peut être des enfants super affectueux parce qu'ils cherchent tellement l'affection. Il y a des enfants tout simplement qui vont avoir des troubles de comportement parce qu'il manque des instabilités. Et toutes ces choses-là, toute cette enveloppe psychologique-là, moi, je trouve que c'est beaucoup sous-estimé au sein de notre communauté auprès des enfants. C'est comment? Ben, la mère est monoparentale. Mais on s'attarde à la mère qui est monoparentale. Mais on oublie qu'il y a l'enfant qui n'a pas de père ou qui n'a pas de mère. Et maintenant, ces enfants-là grandissent et il y a des troubles. Il y a des, souvent, ils vont être étiquetés. Et puis ça peut être lourd à long terme aussi. Puis ça, on n'en parle pas non plus de ces étiquettes-là qui sont mises à ces enfants-là. Des fois, c'est triste à dire, mais souvent, ils vont par secteur aussi. Par exemple, quand dans le ministère du Travail, par exemple, quand on regarde les données, on peut voir que par secteur, on va dire Montréal-Nord, par exemple, il y a un gros taux de monoparentalité. Donc, on va voir par secteur comment c'est troublant, comment il y a des organismes sont sur ces lieux-là, justement, pour venir en aide, parce qu'on sait que ce secteur-là, c'est important. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, de psychoéducateurs dans ces coins-là aussi. Mais excusez-moi, mais parallèlement, Montréal-Nord a la plus grosse proportion d'églises. Est-ce que c'est parce que les églises sont plus bas? Est-ce qu'on ne pourrait pas réunir les églises et puis leur demander de prier? Qu'est-ce qui se passe? Comment voyez-vous la question? Mais c'est sûr, ce que oui. Tu dis tantôt, c'est parce que l'affaire dans notre communauté, l'enfant n'a pas sa place. L'enfant n'est pas considéré comme une personne. C'est le problème. Une fois qu'on va considérer l'enfant comme une personne qui a des besoins, okay, à ce moment-là, on va pouvoir s'attarder au problème. Ce que je veux dire, par là, l'enfant qui est né, là, on s'est dit, mais il y a une maman qui n'a pas de père ou un enfant qui n'a pas de père. Mais à ce moment-là, mais l'enfant, on ne se préoccupe pas de ses besoins. En tant que physique, financièrement, que psychologiquement. Donc, cet enfant-là qui grandit avec un vide, oui, maman va essayer de tout faire, on va essayer de combler les besoins de, les besoins de cet enfant-là. Va essayer comme. Jouer le rôle du père. Va essayer de jouer le rôle de la mère et du père. Mais en même temps, on sait très bien qu'une maman, comme je disais tantôt, ne sera jamais un papa, désolé. Donc, là, cet enfant-là qui grandit avec un vide, ça fait quoi? Ça fait que c'est un enfant qui grandit avec des remises en question. Est-ce que c'est à cause de moi? Est-ce que c'est à cause de moi que papa est parti? Qu'est-ce que j'ai fait? Preuve d'estime. Exactement, il y a l'estime qui est quand même attaquée. Donc l'enfant se questionne beaucoup. Maman, ouais, papa, à l'école, à la garderie. Maman, papa, un tel est venu souvent. Papa, un tel est venu. Papa, un tel est venu. Papa, un tel est ramené souvent. Papa, un tel souvent. L'enfant sait que la maman de l'autre enfant est là, mais souvent à la maison, maman, tu sais, papa est tel, papa est tel, papa est tel. C'est quand je vois papa, c'est quand je vois papa. Est-ce que papa va être là aussi? C'est des questions qui sont très jeunes, les enfants se posent. Puis comme disait aussi, à l'école, à la garderie, souvent c'est très jeune, mais à l'école, au niveau du primaire, là, on va avoir des troubles de comportement, des problèmes que parfois l'école va dire, mais c'est quoi le problème? Mais pourquoi l'enfant a des troubles? Pourquoi l'enfant est aussi perturbé? Donc là, si on regarde ça, tu vas dire, c'est un enfant qui est mal élevé, mal bâton, exactement, donner des médicaments, mais il faut aller gratter pour aller voir c'est quoi le problème, d'où la raison lorsqu'on fait une évaluation ou lorsqu'on fait une évaluation, on va aller voir c'est quoi le manque, qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant se comporte ainsi avant de mettre l'étiquette que l'enfant a un trouble, vraiment un vrai trouble, là, mais parfois c'est vraiment psychologique, il y a un manque qui est là, exactement, c'est l'environnement. Puis comme tu disais tantôt, si le père est absent dans la vie de l'enfant, il faut quand même une autre figure qui représente ce père-là pour plus ou moins balancer. Mais sinon, l'enfant grandit vraiment avec des séquelles. C'est un enfant qui grandit. Jeune enfant, ça donne des troubles de comportement. Adolescence, souvent, c'est plus envers la mère. Donc, envers la mère, ça veut dire que, ouais, mon papa, je te déteste. Alors que souvent, très jeune, l'enfant est très fusionnel avec maman, très fusionnel. L'enfant est comme conscient que maman travaille dur, maman fait deux emplois, maman est là pour moi, maman achète ce que je veux. L'enfant est en amour avec maman parce que c'est maman qui est papa. Mais l'adolescence, c'est tu m'as enlevé mon père. C'est à cause de toi que j'ai pas de père, donc ça crée maman qui se retrouve, mais je comprends pas, je t'ai tout donné, pourquoi tu es en colère contre moi? Mais l'enfant aussi, il est en remise des questions, il pose des questions, je veux mon papa, je veux ce rôle-là. Donc c'est comme le modèle. Oui, des fois, l'enfant même dit à la maman, si je comprends pourquoi ton papa t'a laissé, je ne pouvais pas vivre avec toi, tu m'ennuies tellement, tu me laisses ta vie impossible. C'est comme des bombes à retardement. C'est ça, donc c'est pas facile, mais il y a un autre aspect. On m'a dit que, alors je le laisse à votre discrétion, quand des fois
la personne est tentée de chercher le Père toute la vie. Et cette recherche du Père passe aussi par des engagements avec des gens qui n'ont pas son âge. Vous voyez? Donc, il y a des filles qui seraient portées à aller à chercher un Père dans le copain. Et même plus, il y a des filles, parce qu'ils ont cherché le Père de manière consciente ou inconsciente, ils souhaitent véritablement que l'homme qu'ils trouvent au moins développe l'autorité paternelle. D'ailleurs, il appelle le chéri papa. Et si le chéri veut le froid comme juste son chéri, ça ne marche pas. Parce qu'elle, elle veut un père. C'est un père qu'elle cherche. Mais elle n'en est pas toujours consciente. Donc, j'ai vu des hommes qui se sont retrouvés dans le cadre de leur relation avec des attentes dépassées, mais qui n'ont pas compris parce qu'il y a une réconciliation qui ne s'est pas faite avec le passé. Parce que cette fille cherche son père. Et toi, homme, il s'attend à ce que, oui, tu es le mari, mais le rôle paternel, il veut que tu le vis aussi. Pas un enfant pour son enfant, mais que tu sois un père aussi pour... un père pour elle aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu cet aspect? Par rapport, mais moi, je pense que c'est là qu'on doit retourner au rôle de l'Église, parce que dans la Bible, on parle de la veuve et de l'orphelin. Donc, de nos jours, ce n'est plus la veuve et l'orphelin, donc c'est les mères monoparentales, les veuves et les orphelins. Donc, je pense que l'Église doit poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour les veuves? Qu'est-ce qu'on fait pour les mères monoparentales? Qu'est-ce qu'on fait pour les orphelins? Et très souvent, c'est même avoir proposé que des hommes soient des mentors pour des enfants qui sont élevés par des mères monoparentales. Je trouve que c'est des questions que l'on doit se poser, c'est des programmes que l'on doit mettre en place à l'Église. Parce que, effectivement, il y a des femmes qui vont chercher un père, qui vont aller vers des hommes plus vieux, qui vont chercher un père. Et pourtant, c'est juste qu'elles n'ont pas eu père. Et l'homme ne pourra jamais répondre à ses attentes. Et c'est pour ça que moi, je le conseillais souvent à mon petit père, je lui disais, écoute, lorsque tu vas dans une famille, regarde si le père et la mère est là. Parce que si le père ou la mère n'est pas là, tu vas devoir faire face à des attentes un peu en dessous de tes moyens. Et c'est ton choix parce que tu es rentré dans une relation pareille. En rentrant dans la relation, ce n'est pas après 5 ans que tu découvres que la femme n'avait pas de père ou que le garçon n'avait pas de mère, n'avait aucune figure paternelle ou maternelle. Donc je pense que c'est des réflexions qui doivent se faire à l'aval et non à l'amont. Mais par rapport à si c'est déjà fait, donc si la mère monoparentale a déjà son enfant, l'Église devrait, pour les mères monoparentales chrétiennes, l'Église devrait pouvoir offrir au moins un programme, devrait s'intéresser, parce que la veuve et l'orphelin, ils sont encore là, ils sont encore là. Et la Bible en parle, hein? Les veuves, les orphelins. Et on n'a pas parlé de où est mon père dans les cas d'adoption, de monoparentalité, pas de monoparentalité, de cas de femmes qui ne sont pas mariées, de femmes qui sont violées. Il y a tellement de scénarios qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'on devra tôt ou tard adresser ces préoccupations à une autre échelle pour pouvoir apprécier toute la dimension du problème. Alors, j'invite à ceux qui nous écoutent sur le live, tandis que nous allons continuer avec nos interventions. Si vous avez des questions à faire part à l'équipe, si vous avez des commentaires, je vous prie d'appeler au 438-815-0173 et de composer le PIN number 287-0826. Si vous avez un commentaire, une question, nous aimerions vous entendre sur le live. Ça nous ferait beaucoup de plaisir de participer avec vous. Donc désormais, c'est un live interactif. Et c'est ne passez pas seulement dans le fil d'actualité, mais participez aussi à travers, notre numéro de téléphone. Nous aimerions entendre votre voix. Alors, nous continuons le débat. Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle ne peut pas passer sa vie sans son père, mais il y a quelqu'un d'autre qui a dit beaucoup d'anxiété, peur de l'abandon, Georgette Isidore, plus tard dans la vie, peur de l'engagement. Oui. Donc, les problèmes que nous voyons dans nos églises ou bien en dehors de nos églises avec des gens commencent dans la famille. Quand la cellule familiale n'est pas bien, ça se continue, ça se pousse dans la vie. Donc, c'est l'histoire d'une vie. Et c'est pourquoi je parle au couple. Faites l'effort
de faire en sorte que ce que vous viviez n'ait pas de conséquences néfastes sur vos enfants. Quand vous avez des problèmes entre vous, pensez aussi à l'enfant dans l'équation. Chers parents, vous qui nous écoutez sur le live, futurs parents, couple, faites attention, vos enfants vous suivent. Les énergies que vous dégagez dans la maison vont affecter leur tempérament, leur vision. Il faut que vous soyez plus positif. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent avec des séquelles. Et plus tard, un bonjour, ils vous demandent des comptes. Et quand ils demandent des comptes, je vous assure, c'est parce qu'ils tiennent le plus gros bout du bâton. Ils sont capables de sortir, ils sont capables de vivre sans vous. Et puis là, ils disent, vous vous souvenez de ce que vous avez fait? Vous vous souvenez que vous m'avez ignoré? Vous vous souvenez que vous ne vouliez pas aller au match avec moi? Vous voyez? Donc, à un moment donné, l'enfant se rend compte que vous n'avez pas été là. Et puisque vous n'avez pas été là, l'enfant est lui-même choisi de ne pas être là. Et dans son propre couple, l'enfant risque de reproduire le même père absent. Parce qu'il se dit, si moi j'ai survécu, pourquoi l'enfant ne survivra pas? Hein? Chaque génération a sa force. Donc, comment est-ce qu'on pourrait amener cette question à un autre niveau? Comment vous voyez cela? J'aimerais qu'Irvin me dise qu'est-ce qu'il voit par rapport à cette question. Et je demande à ceux qui veulent appeler pour poser des questions, composez le 438-815-0173. Et le PIN, c'est 287-08-26. On vous attend. C'est facile de considérer, parce que le problème qui arrive aussi dans ces familles-là, c'est que l'enfant est un otage. Et puis parce que l'enfant ne peut pas s'exprimer, donc c'est lui qui est le plus faible, donc c'est lui qui est l'otage. C'est que maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à comprendre, puis comme le pasteur a dit aussi, c'est important de mettre l'enfant en premier. Et même si on est énervé, même si on est fâché, même si on n'est pas mentalement là, mais c'est toujours de mettre l'enfant en premier. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Parce que c'est facile d'aller voir l'État, c'est facile d'aller blâmer la société et tout, mais la responsabilité première de l'éducation de l'enfant, c'est les parents. Le père, la mère, on doit être présent. Et même si, par exemple, la mère ne veut pas la présence du père, mais le père doit faire ce qu'il doit faire pour l'enfant. Pas pour la mère, mais pour l'enfant. Parce que c'est l'enfant qui ne peut pas se défendre. Et c'est important, c'est vraiment important. Puis je pense que si on arrive à comprendre qu'on ne doit pas prendre l'enfant comme un otage, et vraiment de le mettre en premier lieu, on a déjà résolu une bonne partie du problème. Et je te poserai une question, Irvin, puisque tu n'es pas trop bavard aujourd'hui. Non. La question que je te poserai, mais oui? Que penses-tu des pères qui, dès le début, disent « je ne veux pas avoir d'enfant, moi ». Je ne veux pas avoir d'enfant. Et puis voilà qu'ils se ramassent avec un enfant. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait dire dans ce sens? Est-ce que... Comment vous voyez cela? Et j'aimerais qu'on distribue la question un peu partout sur la table. Ces pères qui ne veulent pas d'enfants, comme dit Bozy Judlaf, qu'allez-vous faire? Parce que c'est vrai que ça existe des pères qui ne veulent pas avoir d'enfants. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, selon moi? Peut-être, je dis ça, c'est que des fois, il y a des femmes qui vont faire des enfants pour retenir l'homme. Parce que l'homme n'est pas intéressé dans la femme. Alors, ce qu'elle aurait trouvé bon de faire, c'est d'emprisonner cet homme-là en lui donnant un enfant. Et ce père-là ne veut rien savoir. Donc, c'est important, tu vois, c'est parce que c'est ces jeux-là, c'est des jeux comme ça qui fait que c'est décourageant pour un homme. Toutefois, l'enfant maintenant est là. Donc, aussitôt que l'enfant est là, même si tu ne voulais pas d'enfant, c'est normal. C'est possible parce qu'il y a des personnes qui sont appelées à être seules, à vivre seules. Mais tu as un enfant qui a ton ADN et tout, tu as une responsabilité de l'élever et d'être présent dans cette vie-là. Mais j'ai vu des cas où des fois la personne voulait un seul enfant, on s'était entendu. Maintenant, il se ramasse avec 6 enfants dans le nom de Jésus. Vous voyez, donc multiplier, remplir la terre et puis là, le problème se pose. Comment vous posez un peu ces préoccupations? Mais à Laval, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que souvent les personnes disent « Ah, je t'aime », puis ils ne parlent pas des vraies choses. Mm-hmm. Tu vois, c'est que au début de la relation, il faut qu'on parle des vraies choses. Ça veut dire combien, tu vois, des fois, j'étais en consultation avec des personnes, avec d'autres couples, et puis on disait « Combien d'enfants vous voulez avoir ?» Et puis un couple a dit 4, ben l'homme a dit 4, la femme a dit 2. Je dis « Oh, mais... » Vous allez vous marier, vous êtes près du mariage, vous n'avez jamais eu cette discussion-là. Ce n'est pas normal. Donc,
Ah bon, moi je voulais un, ma femme voulait deux. Dieu a exaucé ma femme. Mais, ah oui. Mais j'ai vu dans mon rêve que j'ai un troisième. Oh. Et puis ça pourrait être deux autres encore. Et ce sera toujours ma faute. C'est ton idée. Ce que je te veux dire, en fait, parce que quand tu dis que parfois il y a certains, il y a des discussions qui doivent être faites depuis qu'on a des projets de vie. Si on est encore en couple, pas encore marié, ou ben c'est encore le romantisme, on peut se permettre de fermer les yeux sur certaines choses. Mais immédiatement qu'on entame un projet de vie, donc qu'on envisage d'être en couple, ces questions-là doivent être posées. Et pour l'homme qui n'avait pas envie d'avoir des enfants, puis qui s'est fait piéger, mais écoute, je ne sais pas, mais le mal est fait. Voilà. Tu ne peux juste pas t'en dissocier comme ça. Et si jamais tu veux t'en dissocier, il existe encore des instruments juridiques pour le faire. Abandonne tes droits parentaux. Mmh. Mais si tu ne les abandonnes pas, tu es là dans la maison, tu tombes dans l'indifférence, tu regardes l'enfant comme s'il n'était pas le tien, tu accuses même la mère que ce n'est pas le tien, juste pour ne pas t'investir, tu cherches une excuse. Mmh. Donc je trouve que là, on est dans une autre catégorie de lâche. Parce que l'enfant est là. L'enfant est là. Si l'enfant n'est pas là, c'est vrai qu'il y a des situations. Et puis, il faut se dire qu'être en couple, avoir des relations sexuelles, il y a des situations non prévues. Donc, savoir gérer les imprévus, c'est une preuve de maturité. C'est ça. Donc, on voulait deux enfants, on en a eu trois. Mais on va gérer les imprévus parce qu'on est deux adultes, puis on doit vivre ensemble. C'est ça. Et puis les enfants aussi ne peuvent pas, le troisième, là, le malchanceux troisième, ne peut pas payer les conséquences des pots cassés. Moi, je ne peux pas payer les pots cassés. Donc, du coup, je me dis, c'est aussi une preuve de maturité. Wow. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas choisi cette occasion, tu n'avais pas préparé, que tu ne peux pas y faire face? C'est faux. La majorité d'entre nous ont survécu à des situations non prévues. Voilà, et on est encore là. Donc, avoir un enfant puis l'ignorer, être indifférent juste parce que tu n'avais pas choisi qu'il soit là, je trouve que c'est un peu méchant. Mais c'est des choses qui arrivent. L'autre s'est senti trahi. J'ai même vu des hommes, j'ai réglé un cas comme ça à l'église. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant, je veux un test ADN. La fille était insultée. Et puis, la fille a demandé le divorce. Quand le gars a compris que c'était sérieux, le gars a dit, mais tu vois bien que l'enfant me ressemble. Je suis en train de commencer. Mais on voit des choses comme ça. Chers amis, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont programmés, c'est fixe dans leur tête. Un, c'est un, pas deux. Je connais un cas, c'est pas ici, c'est en Haïti. Le gars a eu un triplet. Il s'occupe de deux. Il a dit qu'il n'a jamais voulu trois. Il s'en moque, du troisième. Mais maintenant, c'est des choses que nous devons aussi adresser dans nos églises pour dire aux gens, dès lors que, et c'est pour ça que j'aime la loi, si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, il y a des moyens ici pour te faire prendre ta responsabilité. Il y a quelqu'un qui dit, lui, elle ne veut pas, comment il s'appelle, Dafka Gouin. Pour qui ça veut forcer au monde pour lui occuper petit lit, m'pas quoi notre child support, mais ça reste mon opinion. Mais si t'es capable, tant mieux. Mais si t'es pas capable, que veux-tu? Il y a la grâce de la loi. Donc, il faut profiter, il faut les utiliser. Les instruments juridiques existent pour être utilisés. Mais c'est ça, moi je suis d'accord parce que souvent lorsqu'on parle du tribunal, ça fait peur. Lorsqu'on parle du tribunal, on a l'impression que le tribunal est contre nous, mais il faut voir quand tantôt l'enfant aussi dans tout ça. Exemple, tu voulais avoir deux enfants, finalement tu as obtenu trois, tu as eu trois, mais l'autre tu vas négliger, l'oublier. Là. L'enfant, il y a des sentiments, c'est comme c'est un besoin. C'est pas un besoin, c'est comme c'est un être humain, je vais dire, désolé. Donc il y a des sentiments, il y a des besoins. Donc tu vas juste l'ignorer. C'est quoi les séquelles? L'enfant qui grandit, qui voit qu'il y a deux enfants qui sont bien dans la maison, qui obtient tout ce qu'il veut. Papa est gâté avec le papa qui les gâte ou maman qui les gâte. Puis lui, il est le rejet. Donc il ressent ce rejet-là. Donc il vit avec un vide, un rejet. Donc il se questionne, mais pourquoi finalement je suis né? Donc d'où là que je t'ai dit parfois, juste le fait que cet enfant-là est né dans un mauvais contexte,
Donc déjà l'enfant est né déjà plus fragile que les autres. Mm-hmm. Donc l'enfant grandit dans un environnement qui le fragilise encore davantage. Donc lorsque l'enfant va aller à l'école, où il va avoir peut-être des difficultés de façon naturelle dans la vie, donc il va encore plus le fragiliser. Donc si l'enfant, encore cet enfant-là devenir adulte, oublie ça là. Lorsque les difficultés vont faire surface, oublie ça, il n'y aura pas tous les supports ou la capacité mentale pour y faire face. C'est de là qu'on va parler de la santé mentale, c'est de là qu'on va parler du suicide, tout ça. Puis là on va dire, ah, oh, ça existe dans notre communauté. Bien sûr, ça existe. On n'en parle pas, c'est tabou. Mais c'est on n'en parle pas. Mais c'est caché, exactement. Donc oublie ça, depuis toute ma vie, je ne suis jamais senti aimée. J'ai grandi avec un vide. C'est normal qu'à la fin, je me suis dit, pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue si je suis aussi vide? Puis ce vide-là, ça n'existe pas. Après un an, pas à cause que j'ai vu qu'une affaire, mais c'est toute ma vie, ce vide-là est là. Donc c'est quand même un être humain, là. C'est pas juste une poupée mm-hmm. ou un jouet, là. Donc, il y a une question, il y a une question dans l'air, c'est oui. posée par le 514-616-7534. on écoute ta question. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir appelé. Pour ma question, c'est que, on parle des mamans ou à mon papa, mais il y a des fois aussi, c'est que quand l'enfant cherche à voir son papa, la maman fait tout pour détourner cette question-là. Et moi, je l'ai vu personnellement. Moi, j'ai posé la question souvent à ma mère, et ma mère me disait souvent, et j'ai pas peur de le dire, j'ai pas honte de le dire, mais j'ai grandi en bon haïtien sans papa, c'est la famille, l'église qui m'a fait devenir un homme. Et comme complémentaire, c'est mon cursus de freshman en terrain qui va forger ma maturité. Ben, des fois qu'on pose la question, maman, où est papa? Des fois, je me faisais répéter, papa a mouru. Papa quitte à tel âge, papa ceci, papa cela. Wow. Ça, c'est pas le fun. Ça, c'est à cause d'une traumatisme. Et c'est comme. Mais tu as, pendant que tu vieillissais, tu as rencontré ton père? Moi, j'ai rencontré mon père à l'âge de 12 ans. Et jusqu'à maintenant, moi et mon père, on a une bonne communication. On se parle. On se parle comme deux bons amis qui apportent. Mais j'ai pardonné. Avec le temps, j'ai pardonné. J'avais beaucoup pardonné à ma mère, mais avec le temps, j'ai pardonné. C'est OK, elle a fait ça pour me protéger. De toute façon, parce qu'elle voulait protéger de quoi que ce soit du mal. Mais pourtant, quand j'ai posé des questions à mon père m'a expliqué clairement comment ça peut fonctionner leur relation de couple. Il y a ça aussi. Les parents ne veulent pas voir la vérité aussi. Là. Puis il y a deux côtés de la médaille. Quand maman dit papa, comme elle dit tantôt, rase pas bon. Mais quand le père dit s'il vous plaît, mon garçon, écoute ta mère, c'est qui t'élève, c'est toi qui demande de rentrer à l'heure pour te rentrer à l'heure. Et l'enfant essaie de faire à son père en comprendre qu'est-ce qu'ils sont faire dire, mais en échange, c'est insulte par-dessus insulte. Puis le dimanche matin, on vient à l'église pour prier, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup de ton intervention. Donc, comment vous voyez, n'est pas délice. Merci beaucoup, monsieur. Par rapport à ça, moi, je trouve que, moi, ce que je conseille aux mères monoparentales, c'est souvent d'aller le plus simplement possible. Sans dénigrer le père. Et ça, c'est très difficile, je l'avoue. Mais c'est pour l'enfant. Hein. Lorsqu'on revient à l'intérêt de l'enfant, c'est de dire que voilà ce qui est arrivé. Et voilà pourquoi ton père n'est pas présent. C'est pas parce qu'il n'avait pas fait le choix. Mais il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont présentes. Il y a des personnes qui ne sont pas présentes. Est-ce que tu es moins aimé? Non, tu ne l'es pas. Parce que tu as ta mère. Tu as tes cousins, tu as tes oncles, tu as grand-père, tu as grand-mère. C'est comme insister sur les forces de l'enfant, oui. Sur ce qui est fort dans son environnement. Pas vraiment le vide, parce que si tu insistes sur le vide, ou tu commences à mentir, à dire des trucs qui n'existent même pas sur le père, tu fais plus de mal que tu ne le penses. Surtout que dans ce cas, on a même vu que le jeune homme a rencontré son père, qu'on lui a dit qu'il était parti, qu'il se foutait carrément de lui, alors qu'il y a une autre vérité derrière. Donc, je trouve que la mère doit être assez honnête. Parce que la monoparentalité, c'est un défi, mais ce n'est pas une tare. Ce n'est pas un défaut. Juste un défi. Mais alors, la personne qui a appelé vient de mettre l'accent sur un aspect que l'on n'a pas vu. C'est la capacité pour l'enfant de pardonner. Mais pardonner aux deux.
En fait, ce qui va aider à cet enfant-là de pardonner ce que tu as dit tantôt, c'est vraiment le fait que la mère, c'est la manière que la maman va représenter le père. Dans le sens que voici le père, voici l'homme qu'il est, voici la relation n'a pas fonctionné, mais je suis là, je te comprends. Donc il va falloir que maman, dans ses mots à elle, qu'elle explique la situation sans dénigrer l'autre partie. Bien sûr, elle peut expliquer le contexte, mais sans mettre l'accent que sur le négatif. Sur le négatif, donc, permettre à l'enfant de comprendre la réalité parce que cet enfant-là a besoin de se reconstruire et de faire son deuil. C'est à travers de ce deuil-là que l'enfant va reprendre son propre identité, va pouvoir quand même refaire une autre identité. Écoute, mon papa n'est plus là, donc je vis sans père. Donc, qui reviendra ma vie ou mon futur ou exactement l'avenir ou mon futur ou lorsque moi-même je vais être mère ou père. Donc là, l'enfant a besoin de cette base-là qui vient à partir de la mère. Donc la manière que la maman va représenter le père va permettre à l'enfant de se reconstruire et d'avancer dans la vie. Donc l'enfant a besoin de donner un sens à ce qui est arrivé. Mais c'est fort quand même parce qu'on a dit que le père est mort. Tu comprends ce que je veux dire? C'est... Mais l'affaire, c'est que la mère a tué la représentation du père. Voilà, exactement. Elle a tué. Donc maintenant que cet enfant-là arrive à trouver un pardon à donner à cette mère-là, c'est un super enfant. Ah ben, c'est ça que je dis. Parce que lui, tous les ingrédients sont réunis pour qu'il ne le pardonne pas. Mais il a réussi. Et c'est pour cela que je dis, le pardon résout beaucoup de problèmes. Nous permet entre autres de nous réconcilier avec un passé lourd. Un passé, comment dirais-je, ponctué de séquelles amères, vous voyez. Donc, je pense que pour sortir de la frustration, par exemple, je me demande comment il a pu communiquer bien avec son père. Donc, c'est tout un défi. Donc, ceux qui nous écoutent sur le live, insister sur le discours du pardon dans le couple. Des fois, il y a des parents qui ont fait des erreurs, mais c'est le moment d'essayer de vous relever. Là, c'est l'enfant qui a réussi à pardonner, mais aussi... Il faudrait que les couples apprennent aussi à cultiver le langage du pardon pour pouvoir trouver les moyens d'offrir à l'enfant un cadre acceptable. Voyez? Donc, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Maintenant, nous arrivons justement à la fin. Nous allons demander, alors nous allons en sens inverse, les derniers mots que vous aimeriez formuler au public en termes de conseils. Évidemment, nous allons commencer par Yervens. Oui, merci, pasteur. Donc, ce que j'ai compris dans cette discussion-là qu'on a eue aujourd'hui, c'est que personne n'est parfait. Donc, la première chose qu'on doit penser, c'est vraiment un discours de pardon. C'est un discours de réconciliation. C'est un discours de voir que l'enfant, il faut voir l'intérêt de l'enfant. Il faut mettre cet intérêt-là devant. C'est un intérêt qui doit prédominer dans notre société, dans notre relation même. Et que de ne pas prendre l'enfant comme un otage. C'est-à-dire, c'est vraiment de faire le plus que l'on peut avec tout ce que l'on peut, avec tout notre être, de protéger cet enfant-là. Parce que cet enfant-là n'a pas à payer pour nos erreurs ou l'erreur de l'autre conjoint. Il faut qu'on apprenne à réaliser, il faut qu'on change notre langage. Il faut que l'Église puisse aussi rentrer dans ces dossiers-là et ne pas stigmatiser l'enfant. Ça veut dire que si l'enfant est arrivé dans des conditions douteuses, etc., de ne pas retenir ça contre l'enfant. C'est d'arriver à une compréhension, de dire que tu sais quoi, on ne va pas faire payer l'enfant, on va arrêter ce cycle-là. Et lorsqu'on va prendre cette décision-là, lorsque nous, en tant que communauté, on va mettre notre pied à terre, je crois et j'ai la ferme conviction que nos prisons vont se vider. Parce que moi, je pense personnellement que toute la délinquance, toutes ces rébellions-là, potentiellement de ces enfants-là, c'est parce qu'il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et lorsque les parents ne sont pas là, il y a un mécanisme de défense de cet enfant-là, il y a un mécanisme qui n'est pas enclenché. Il y a comme quelque chose, il y a une barrière qui est mise. Parce que c'est déjà difficile de vivre au Québec. Et en plus de se mettre des barrières, donc je crois que lorsqu'on va avoir ces discussions-là, lorsqu'on va mettre l'enfant en premier, et que le ministère premier de chaque personne, même qui sont dans le ministère aussi, que leur ministère premier soit leur famille, leur enfant et leur femme, leur couple et tout. Et c'est alors que je pense qu'il va avoir un changement. Et c'est là parce que qu'est-ce qui peut arriver dans cette communauté-là? Qu'est-ce qui peut changer cette communauté? Parce que le système n'est pas fait pour nous. Mais nous sommes ici, nous connaissons le système. On a la preuve, on a trois panélistes qui vivent dans ce système-là. Donc,
notre génération actuelle est équipée pour la prochaine génération. Donc, on est capable de briser ce cycle-là, moi je pense, je le crois. Et on doit mettre nos pieds à terre et on doit commencer à éduquer les personnes. Et c'est par l'éducation qu'on va pouvoir contaminer les autres pour qu'on arrête ce cycle. Ça, c'est mon opinion. Good. Donc, moi, de mon côté, ce que je dirais, parce que sur le groupe, je vois qu'il y a quelqu'un qui a écrit « Le rôle du père dans le temps, c'était financièrement de répondre aux besoins de la famille. » C'est sûr que dans le temps, c'est le pouvoir. Oui, c'est ça. Dans le temps, c'était ça, mais on est quand même en 2020. Puis en 2020, il va falloir qu'on s'ajuste. Il ne faut pas juste se permettre de dire que moi, je suis là juste pour payer les factures, mais tu as des enfants. Peu importe le nombre d'enfants que tu as, il va falloir prendre ta responsabilité. La responsabilité, c'est... L'acceptabilité, ça veut dire quoi? C'est pas juste payer des factures, mais en même temps, de prendre en considération que ton enfant a des besoins, puis les besoins de ton enfant ne sont pas juste, il a un toit, puis je paye ses vêtements. Donc, dans le sens que je l'habille, il a un toit, je le nourris, donc ça arrête là. C'est beaucoup plus que ça. Malheureusement, en Haïti, c'est plus facile en Haïti d'élever un enfant. Pourquoi il y a toute la communauté qui est là? Mais ici, c'est plus difficile. Dans ce contexte-là, on n'a pas le choix de pas prendre en considération tous les autres aspects de la vie de l'enfant pour permettre à ton enfant de devenir un homme, une femme dans la société. Donc, on ne peut pas juste avoir des attentes, on ne peut pas juste laisser l'école et la société élever nos enfants, on doit quand même prendre notre part de responsabilité. Donc, au niveau du père, c'est sûr que le rôle du père est super important dans la vie d'un enfant parce que c'est comme une source de réconfort. Sachant que papa est à la maison, si jamais il y a un voleur qui arrive, je sais que papa va être là pour moi. Sachant que quand je vis quelque chose de difficile, papa va me réconforter. Donc, sachant que lorsque j'ai besoin de jouer, papa va aussi jouer avec moi. Donc, le père joue un rôle solide dans la vie de l'enfant. Donc, la mère, c'est celle qui va donner le câlin, mais papa, c'est celui qui va dire « Debout, on y va ». Donc, ce petit bout-là, on ne peut pas le négliger. Donc, une fois qu'on comprend c'est quoi notre rôle, une fois qu'on comprend les besoins de notre enfant, on sera plus en mesure de rappeler bien notre rôle. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est en lien à ce que Yvonne s'est dit tantôt. Dans notre communauté, malheureusement, on se retrouve en prison lorsqu'on va en prison. C'est très noir, malheureusement. On a beau étiqueter la société, on a beau dire que la société est sévère envers nous. Oui, je ne dis pas le contraire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arriver là? Bien sûr, lorsque moi, je suis mère monoparentale, je fais 2-3 ans d'emploi, ça veut dire que je ne suis pas disponible pour mes enfants. Lorsque je fais quand même la nuit, j'arrive, je fais le minimum que je peux. J'essaie de donner le maximum à mes enfants, mais en même temps, je ne suis pas là. Donc, ce manque-là, non seulement il n'y a pas de papa à la maison, puis moi non plus, comme mère, je ne suis pas présente parce que je dois occuper 2-3 emplois. Puis lorsque je suis là, je suis tellement fatiguée, je fais le minimum, je fais le ménage, tout ça. Donc, je ne suis pas là. Il n'y a pas de relation de qualité là. Donc, le côté qualité n'est pas présent. Donc, cet enfant-là, que l'on veuille ou pas, ce qu'on ne lui donne pas, il va aller chercher ailleurs. Puis en allant chercher ailleurs, il va aller chercher n'importe quoi et n'importe comment. Donc, c'est sûr que moi, ce que je dirais, c'est vraiment lorsque une femme est monoparentale, elle vit seule, elle est consciente qu'elle n'est pas en mesure de répondre aux besoins de ses enfants ou à tous les besoins, parce qu'il y a quand même différents besoins à ses enfants. C'est de ne pas rester seule dans son coin, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Il y a de l'aide qui existe dans la communauté, il y a de l'aide qui existe, oui. Peut-être à l'église, c'est un peu différent parce que parfois, à l'église, ils ne savent pas comment vous aider, mais dans la société québécoise même, de l'aide existe. D'aller frapper de l'aide, de demander de l'aide, vous allez en trouver. Ça peut éviter que votre enfant se retrouve en prison. Déjà, ce serait déjà une victoire. Ça peut éviter que votre enfant quitte votre maison. Ça peut éviter une crise à la maison. Ce serait déjà une victoire. Mais comme j'ai dit, il faut quand même prendre en considération. Oui, vous, comme maman, on ne peut pas tout faire, malheureusement. Mais en même temps, il faut quand même considérer les besoins de l'enfant. Puis les besoins de l'enfant ne consistent pas seulement à le nourrir, à le vertir et à mettre un toit sur sa tête. Moi, je vois vraiment pas, en trois phases. C'est comme pour l'enfant qui en souffre, pour la mère qui le vit, pour le père qui n'est pas là. Donc, pour l'enfant qui le vit, il faut juste ça. Il faut que l'enfant puisse savoir c'est que ce n'est pas un choix, tu ne l'as pas choisi. Donc, puisque tu n'as pas choisi, c'est vrai que tu en subis les conséquences, mais n'assume pas complètement la responsabilité de ce qui est arrivé. C'est arrivé à deux adultes et tu n'étais pas encore né, ou même si tu étais encore né, tu n'as peut-être rien à voir par rapport à ça. Donc, pardonne-toi et cherche de l'aide. Parce qu'il y a beaucoup, dans notre communauté surtout, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette même situation. En parler déjà te permet d'avancer. Reconnaître que, ok, tu en souffres, te permet d'avancer. Donc, et puis, il y a aussi la figure paternelle. Très souvent, la mère ne peut pas te donner cette figure-là. Mais toi aussi, tu peux aller le chercher. Tu peux aller chercher cette figure paternelle auprès du père d'un ami, auprès d'un oncle, auprès de quelqu'un. Donc, si tu as assez de compréhension pour savoir qu'il te manque quelque chose et...
comme soit capable d'aller chercher de l'aide. Et pour la mère qui le vit, et malheureusement dans la vie, il y a des situations qu'on ne choisit pas qui nous arrivent. Donc pour la mère qui l'a choisi aussi, donc, ça reste un défi. Et puisque c'est un défi, il faut toute une manière pour relever le défi. Donc j'aimerais dire à la mère que cherche au moins une figure paternelle. Si tu n'as pas de partenaire, si tu n'as personne dans ta vie, cherche au moins une figure paternelle, quelqu'un qui pourra remplir ce rôle. C'est un cadeau que tu feras à l'enfant. C'est l'un des plus grands cadeaux que tu peux faire à ton enfant. T'assurer que l'enfant est équilibré émotionnellement, est équilibré. C'est une personne équilibrée qui peut fonctionner. Et par rapport au père que la mère empêche d'être présent, au père qui a justement oublié son rôle complètement. Donc j'aimerais dire que il n'est pas trop tard. Ce n'est pas parce que ton enfant est maintenant rendu adulte et qu'il ressent beaucoup d'amertume à ton égard, envers toi, que tu ne peux pas quand même chercher à restaurer la communication, à restaurer la relation. Donc peut-être en parler à la mère et s'excuser pour ce qui s'est passé. Parce que la relation n'a pas mené à grand chose, mais apprendre à s'excuser. Ok, on était jeunes, on était ensemble, j'ai fait une erreur en te laissant et je n'aurais pas dû t'abandonner avec une grossesse. Et maintenant je suis là et j'aimerais faire quelque chose pour mon enfant. Je peux plus remplir des rôles dans ta vie, mais pour mon enfant je veux être là. Parfois c'est juste aller vers la personne, aller vers l'enfant. Si c'est impossible d'aller vers la mère, va vers l'enfant. Mais ne laisse pas l'enfant grandir, ne te dis pas, ok, j'ai donné de l'argent, j'ai reçu une pension alimentaire, j'ai été forcé de payer, puis maintenant je m'en fous complètement. Mais prendre le temps de restaurer les relations, c'est vraiment ça que je voulais dire. Dernière intervention. Pour ma part, s'il y a quelque chose que je veux vraiment faire ressortir, c'est vraiment ne pas oublier qu'il y a un enfant dans tout ça. L'enfant, c'est ça qui fait qu'il crée le type de mère monoparentale ou papa monoparental, de la monoparentalité, c'est le fait d'élever un enfant seul. Donc cet enfant-là a des émotions, cet enfant-là a une vie, il y a quelque chose qu'il veut, il y a des ambitions. Et c'est le temps de s'attarder aussi à l'enfant en tant que tel. Les enfants ne sont pas des moyens d'échange, des moyens de pression, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres qui cherchent juste à avoir de l'affection et être aimés. Puis si je peux donner un conseil à des mères en tant que telles, c'est aussi il y a une guérison intérieure que vous devez aller chercher. Parce que c'est cette guérison-là qui permet d'apporter un encadrement à cet enfant-là, à ne pas apporter des jugements, exemple, sur le père, mais c'est d'apporter cet amour, d'apporter le pardon. On a parlé de pardon en dernier lieu, et c'est tellement important. Parce que juste ça, ça apaise le cœur de l'enfant. Parce que justement, l'enfant peut arriver à une position où est-ce qu'il pense que tout est sa faute. Maintenant, il faut détacher l'enfant de cette mentalité-là parce que ça crée une vie de culpabilité, ça crée une vie de manque d'estime de soi. Donc, il faut briser ces cycles-là pour éviter justement des adultes brisés. Donc, ça commence très tôt et comme elle a dit tantôt, il n'est jamais trop tard. Donc, tant qu'il y a de la vie, on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tant que l'enfant vit, tant que vous vivez, vous pouvez toujours faire ces efforts-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui se fait en une nuit, mais comme on l'a dit tantôt, il y a des outils, il y a des ressources. Et si vous ne savez pas où aller, vous n'avez pas les sous pour un psychologue, par exemple, vous pouvez voir avec votre employeur si vous avez le service de PAE pour parler avec quelqu'un. C'est un programme d'aide aux employés de votre employeur. Vous pouvez aller au CLSC de votre quartier et demander à avoir l'aide psychologique. Vous pouvez être référé à un travailleur social. Il y a des psychoéducateurs qui peuvent accompagner les enfants. Vous allez pouvoir avoir des psychologues aussi qui peuvent vous accompagner, mais ne restez pas seul. Et un point que j'aimerais ajouter, c'est par rapport, oui, on voudrait faire aller à l'extérieur pour trouver de l'aide, mais je pense aussi que c'est temps que l'Église, en tant que communauté, vous êtes supposé être là aussi pour aider, accompagner. Des fois, la mère n'a pas besoin, pas qu'elle n'a pas besoin. Oui, la situation économique est importante, mais la mère aussi a besoin d'un soutien, un support communautaire. Et ça, pour moi, je trouve que ça n'a pas de prix. Savoir qu'on est aimé, savoir qu'on est encadré. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé dans mon propre parcours personnel, qui fait que je peux faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que j'ai senti qu'il y avait une communauté. Je suis dans une église où est-ce que je suis entourée, je suis encadrée. J'ai des amis qui sont proches, avec lesquels je me sens à l'aise s'il y a quelque chose. Et ça m'a permis de faire un cheminement vers une guérison intérieure qui, après ça, s'exprime à l'extérieur.
vers l'enfant, vers le père de mon enfant, vers les gens autour de moi. Donc, pour arriver là, il y a un cheminement qui est fait. Mais si l'Église peut donner un effort additionnel, je pense que ça changerait beaucoup la communauté, ça changerait le visage de la communauté. Il y aura moins de crainte à aborder notre pasteur sur nos problèmes et nos difficultés. S'il y avait des cellules, parce qu'il ne faut pas avoir peur de la psychologie à l'Église, c'est tout ce qui se passe dans la tête. Si on va voir un dentiste pour nos dents, ben, on voit un psychologue pour notre cerveau, pour quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur de notre cœur. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Il faut arrêter d'avoir honte de la monoparentalité. Quelqu'un qui est veuve, qui est tout seul avec un enfant, est monoparental aussi. La monoparentalité n'est pas un statut négatif comme si c'est fini. C'est juste c'est simplement qu'on vit une situation et je souhaite pour plusieurs que ça soit temporaire. Mais il y a un cheminement qui doit être fait. Il faut briser cette honte-là. Il faut briser cette culpabilité-là de ne pas être en mesure d'avoir donné une famille à son enfant. Il faut sortir de ce cycle-là. Donc, j'appelle vraiment les cœurs un peu à la guérison, mais à vous rappeler aussi qu'il y a des ressources à l'extérieur. Merci. Eh bien, nous remercions nos panélistes qui ont conduit avec brio cet excellent débat qui appelle à l'Église de prendre conscience de cette réalité, de ce qui nous caractérise lorsque nous faisons le profil sociodémographique de nos assemblées. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés fraternelles? J'ai vu des 40 jours, des 21 jours, prière, mais on oublie le poids sur les familles et surtout sur les familles monoparentales de cette manière de s'organiser, de fonctionner. Donc aujourd'hui, je pense que l'Église doit prendre conscience de son rôle et finalement venir avec des solutions concrètes. Donc, je pense aussi que les professionnels de l'Église devraient se regrouper et proposer des plans à nos églises. Parce que c'est le moment de se prendre en charge parce qu'on a des ressources. Maintenant, comment les disposer pour que l'Église puisse en profiter valablement? C'est ça le défi. Il y a quelqu'un qui avait posé une question à laquelle on n'a pas répondu. Je connais une amie, elle devait subir une opération sur la demande de son médecin. Elle devait avoir un enfant avant l'opération. Elle s'est entendue avec quelqu'un pour avoir l'enfant depuis sur 4e mois. Il n'a jamais revu cet homme. Comment en parler à sa fille? Vous pensez qu'elle peut être honnête et dire la vérité? Malheureusement, Mackinson Beauville, cette vérité n'appartient pas à la mère. Elle est aussi la vérité de l'enfant. Et si c'est la vérité de l'enfant, c'est la partie sombre de son identité, elle a le droit d'y avoir accès raisonnablement. Et les choses qu'on cache seront plus tard connues. Et quand ce n'est pas connu dans les bonnes conditions, ça risque de faire encore plus mal. Parce que l'identité souvent se pose comme une question de vie et de mort. Parce que ce que je connais de moi-même me donne la résilience pour pouvoir aborder l'avenir. Ou du moins, ça me détruit. Donc, c'est tout un... C'est avant même de poser l'action, de savoir que qui t'a été cherché va avoir des impacts sur ton enfant. Alors, nous appelons à la guérison, nous appelons à l'amour, nous appelons au respect, nous appelons surtout à l'effort, à l'apprentissage du vivre ensemble. Ce n'est pas facile de vivre ensemble, mais tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit faire l'effort et nous aurions eu des enfants beaucoup plus forts. Moi, quand je visite les prisons, ce sont les fils et les filles de dames missionnaires, je le répète. Ce sont les fils et les filles de dames missionnaires. Maintenant, on se demande où sont leurs pères. Ce sont des pères démissionnaires. Des fois, même à la maison, ils ne sont pas plus que des bouquets de fleurs bien posés, mais qui n'ont rien à voir avec la vie familiale. Donc, merci à tous ceux qui ont pris part au débat. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et la semaine prochaine, on va avoir un autre débat qui portera sur les femmes stériles, les hommes stériles, les familles que la stérilité affecte. Un autre tabou que l'Église néglige. Des gens qui souffrent parce qu'ils vivent une stérilité. Il y a des couples qui sont brisés, fragilisés. Personne ne dit rien. Donc nous allons avoir sur le panel des gens qui ont vécu cette expérience et qui pourront vous en parler. Et comme ça, nous pourrons vraiment cheminer par rapport à ce sujet pour savoir c'est quoi les thérapies à envisager, c'est quoi, comment l'Église devrait se montrer présente, compréhensive, etc. Parce que ce sont des récits de vie qui peuvent devenir dramatiques quand ils sont mal gérés, surtout quand il y a de la famille qui dit « Pourquoi qu'on fait petit toujours ?» Vous voyez? Donc, on va débattre de ce sujet. Merci à tous ceux qui ont été là. Au revoir et à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Au prochain jeudi débat, nous vous attendons tous. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé le live, donnez-nous des likes, donnez-nous des appréciations. Et bye bye, bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant.